Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, ou plutôt longue vidéo, parce que je pense que je vais papoter un certain nombre de minutes. Eh bien, concernant le jeu de cartes à collectionner Lord of the Ring TCG, pour ceux ou celles qui suivent, vous savez que j'ai un petit dossier. Je pourrais pas appeler ça vraiment un dossier, mais en tout cas plusieurs vidéos qui parlent de ça sur cette chaîne. Parce que j'ai remarqué que, comme je vous l'avais dit, il y avait très peu d'informations YouTube sur le jeu. Et comme d'habitude, tous les 6 mois ou tous les ans, et eh bien maintenant que j'ai repris un petit peu ce jeu-là, grâce à la communauté de l'anneau française, je dirais sous l'impulsion de toute la bande de Nicolas Muller, alias Enola, eh bien, je m'intéresse quand même à ce qui se passe. Et cette année, figurez-vous que eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Ça n'a pas énormément rayonné dans le monde du jeu de cartes à collectionner, tout simplement parce que, pour rappel, c'est un jeu complètement mort, en tout cas au niveau de l'édition officielle, puisque depuis 2007, il n'y a plus de produits. En revanche, eh bien, le jeu continue à tourner avec des championnats de France régulièrement, donc tous les ans, que j'ai découvert justement il y a 1 an ou 2, et le merveilleux Hobbit Draft Game. Pour ceux ou celles qui s'en souviennent sur cette chaîne, j'avais présenté déjà l'ouverture d'un playset Hobbit Draft Game et présenté un peu les règles du jeu. Alors, hop, je crois que j'en ai un ici. Je vais vous montrer ça rapidos pour les néophytes, ceux qui n'auraient pas vu le truc arriver. C'est bah, tout simplement la suite de ce jeu, quoi. Je ne sais pas si vous le voyez. On va regarder en caméra un peu plus. Un peu plus proche après, voilà. Donc là, il s'agit carrément de quasi vraies cartes, mais créées du coup par la communauté de l'anneau et surtout par son créateur, je dirais unique ou au moins principal, de la personne d'Enola, que je salue d'ailleurs dans cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo va parler donc de Lord of the Ring TCG multijoueur. Nous, on va l'appeler multi pour faire plus simple. Et inutile de vous dire que je parle sous le contrôle de Nicolas Enola, parce que c'est lui qui a la main quand même sur ce jeu dont il a donné l'impulsion de création. Voilà, c'est lui aussi le créateur par rapport à ça. Je vous en parle en mettant mes binocles, clac, et puis surtout en vous disant que je suis très fier de pouvoir participer eh bien, cette année. À la alors pas la création, c'est pas moi qui le crée encore, hein, c'est Enola, mais en tout cas à donner mon avis, à essayer de faire des parties autant que faire se peut sur cette nouvelle mouture, on va dire, du jeu Lord of the Ring TCG. Alors pourquoi cette nouvelle mouture? Parce que, pour rappel, le jeu Lord of the Ring TCG se joue donc en duel. Mais, et moi c'était du coup mon cas, se joue beaucoup en multijoueur. Quand j'étais mioche, enfin à partir de mes 16-17 ans, quand le jeu était sorti, bah on en profitait pour faire un jeu multi, puisque ça tournait assez bien, comparativement à tous les autres jeux de cartes à collectionner qui étaient surtout un contre un, quoi. Ou en tout cas, même s'il y avait des règles pour tourner à plusieurs, c'était bien plus simple de le faire tourner à un contre un. Et Lord of the Ring, avec ça d'intéressant, quand vous jouez en fait des cartes qui donnent des points dans la réserve crépusculaire en tant que compagnie, une fois que vous arrivez en phase d'ombre, le joueur à votre droite va commencer à utiliser ses points. S'il reste des points dans la poule, ça va passer au joueur de l'ombre d'après qui va les utiliser et ainsi de suite jusqu'à faire un tour comme ça. Donc là, il y avait déjà quelque chose d'assez intelligent de la part de Chuck Calambar. Ce qui se passe, c'est que selon les grands joueurs que je ne suis pas, mais que j'ai pu rencontrer, en tout cas les Français, je pense à Nico évidemment, mais aussi Tonio, Romuald, Quentin, etc. Voilà, tous les autres, François, enfin voilà, toute la clique, Zorglub, enfin, désolé si j'en oublie certains, mais je vous nomme tous, Quick, etc. Eh bien, Booz aussi d'ailleurs, eh bien, il y a des défauts sur le jeu en multijoueur qui pourraient être contrôlés, ou en tout cas qui pourraient être réglés en réécrivant un petit peu le jeu. Et c'est dans ce contexte-là que l'on s'est dit au début de cette année avec Nicolas, mais en fait, vu que Enola a déjà la main sur la création des cartes, parce qu'il se débrouille merveilleusement bien, il fait des trucs franchement admirables. Moi, je suis toujours sur les fesses quand je regarde un paquet de Hobbit Draft Game, quoi. Voilà, ça fait partie de mes jeux de société préférés, en fait. Voilà, tout simplement.
Là, en fait, on s'est dit, il y a moyen d'utiliser encore les idées de Lord of the Ring TCG en multijoueur, que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs dans n'importe quel petit fascicule de règles de l'époque, en gommant et en arrangeant le jeu. Alors, comment on fait ça? Eh bien, je vous propose de regarder un petit peu plus bas. On fait ça avec une idée globale. Alors d'ailleurs, j'ai même pas pris mes jetons, mais c'est pas grave, je vais en trouver à proximité. Hop. Où est-ce que je les ai mis? Où est-ce que je les ai mis? Je ne sais pas. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, c'est pas. Hop, on va prendre ça. Hop. Voilà. Alors. Le jeu va se jouer de 3 à 4 personnes, en tout cas au début. On a pensé éventuellement l'allonger à 5 récemment. Ça paraît une idée séduisante, mais le problème c'est que ça va rallonger le temps de jeu qui est déjà relativement long, même avec ce remake du multijoueur. Alors je vous le dis tout de suite, le fait de créer des cartes même, maintenant même pour Hobbit Draft Game avec un long tirage, c'est-à-dire on va dire plus de 50 ou 70 ou 100 cartes, Hobbit Draft Game c'est quasiment 900 cartes, on n'arrive pas à retrouver, en tout cas en fin 2022, moi j'ai fait quelques recherches cette année, j'arrive pas à retrouver une boîte qui pourrait officiellement te dire oui ok je prends ton billet, je te fais ça en vraie carte. Du coup vous allez le voir, les cartes sont juste slivées. Donc ce sont des bouts de papier hein, découpés et slivés et protégés ensuite, je veux dire, et puis pour la rigidité on met juste une carte plus dure derrière, ce qui va donner, voilà, vous voyez les bords blancs là qui dépassent un petit peu. Donc voilà, donc en fait on va jouer avec des proxys comme ça. Déjà, pour ceux qui sont allergiques à ça, moi je le suis assez, mais le problème c'est que là le jeu en vaut vraiment la chandelle et il n'y a pas d'officialité sur ce... Voilà, le jeu en vaut la chandelle, il n'y a pas d'officialité sur ce jeu, eh bien, on n'a pas vraiment le choix. Alors, le jeu donc se joue de 3 à 4, de la même manière que dans les grandes lignes du Seigneur des Anneaux TCG, c'est-à-dire que vous avez une phase de compagnie, ensuite on avance sur un site, on calcule le nombre de points, vient la phase d'ombre, alors avec le joueur à droite qui va commencer à jouer ses monstres, on va dire ça comme ça, ensuite on va passer au joueur de sa droite et ainsi de suite jusqu'au bout de table. Quand tout le monde a fait un tour, on passe en phase de manœuvre, le Free People Player, donc le joueur des peuples libres, commence une action de manœuvre et ainsi de suite pour les joueurs de Shadow dans le même ordre, droite, droite, droite. Ensuite on passe à l'assignation, c'est le Free People qui assigne, ensuite les combats, et ensuite regroupe. Est-ce qu'il avance, est-ce qu'il avance pas? S'il avance pas, tout se passe pareil, on peut se défausser d'une carte, on recomplète à 8. Et c'est au joueur à notre gauche de jouer sa phase de compagnie, et ainsi de suite. Alors. Je vais écarter ça et on va tout de suite déjà regarder les différences avec le jeu et comment est-ce qu'on entame la partie. Alors, j'ai trouvé que Nico avait un. Nicolas, enfin non, Enola avait une très très bonne idée hein, au niveau du. Une fois de plus, au niveau des débuts de partie. Je vais vous l'expliquer dans un instant, mais on va déjà regarder un petit peu dans les grandes lignes en fait ce qui change. Alors, pour accélérer le jeu qui, je vous le rappelle, est sur 9 sites, ça peut être long et fastidieux. Les parties, si je me rappelle ce dont m'a parlé Bigfoot, il m'a dit oui, non, moi je me rappelle à l'époque, c'était 4 ou 6 heures. Bon, peut-être. Moi je me rappelle de plein de parties qui ont duré juste 1h30, 2h max. Quoi qu'il en soit, c'est trop long. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on réduit déjà dramatiquement. Le running time avec toujours un road movie, mais cette fois-ci en 5 sites. On commence tout doucement au début. Nous sommes à la V2 pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une première mouture cet été. Enola a pu tester le jeu chez lui avec plusieurs comparatifs. Il en est ressorti des choses à vraiment changer, vraiment faire évoluer. Au début, nous étions partis sur l'idée de. Faire peut-être même plusieurs sites 1, plusieurs sites 2, plusieurs sites 3, etc. Pour l'instant, on se cale sur, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait tout le temps le même effet, et au moins, ça, ce sera le moins difficile à modifier peut-être en fin de parcours, quand on aura les versions, je dirais, finales du jeu. Parce que je vous le rappelle, ce jeu est en perpétuel développement depuis à peu près mai, mars, avril, mai, on va dire, voilà, depuis le début de 2022.
Il a déjà été donc réfléchi et ensuite là il est en train d'être testé et il évolue, bah, j'ai envie de dire en ce moment quasiment chaque jour parce qu'on est encore en train de discuter. Donc avec évidemment le noyau dur, le créateur, hein, Enola, de ce qui est bien, de ce qui serait bien, de ce qui pourrait être sympa, si c'est pas bien. Donc après, voilà, Nico nous dit non, ça passera pas, etc. Donc j'aime beaucoup ce travail avec les joueurs. De partage, de savoir ce qui peut avancer, ce qui peut être proposé. Et voilà, en fait, l'intelligence, je dirais, elle n'est pas juste dans le cerveau de quelqu'un d'aussi doué qu'Enola, elle sort aussi de la discussion, l'intelligence. Et je trouve que c'est très très bien pensé de sa part que de nous interroger sur sur le bien fondé voilà, de tout ça. Parenthèse étant faite, vous prenez un site 1, par exemple, où tout le monde commencera à Foncombe. Lors de la mise en place, mettez en jeu tous vos compagnons et l'anneau unique, ainsi que votre carte objectif de l'ombre. On va en parler. Il y a quelques jours encore, il faut savoir que cette carte-là était déjà différente. Il y avait marqué aussi de mettre en jeu les alliés. Vous voyez, donc ça change vraiment tous les jours. Le site 2, déjà, vous voyez que comparativement au site 2 standard de Lord of the Ring TCG, qui donne généralement 1, 2 ou 3. Là, on est carrément sur 6 points crépusculaires. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça dynamise directement. Vous avez une compagnie Mastoc qui correspondrait à une compagnie qui vaudrait à peu près 12 points standard de crépuscule, alors que normalement on commence avec 4. Et par contre, bah, du coup, ça donne direct. C'est-à-dire que vous avez des gros combats qui arrivent directement de premier tour de jeu. Ainsi, au premier tour de jeu, vous pouvez vous taper un Balrog, un Witch King, enfin, un roi sorcier, voilà, une Arachnée, un Shelob, enfin ce que vous voulez, des gros monstres, quoi. Quand la compagnie se déplace vers la Moria, chaque joueur peut prendre en main un Séide coûtant 8 de sa pioche. Tiens donc, Balrog, voilà, tous ceux que j'ai mentionnés, quoi, en gros, Lurtz, etc. On arrive au site 3. Alors, vous voyez, 7 points crépusculaires, attention, bizarre, pas de sanctuaire au site 3, je vais y revenir. Quand la compagnie se déplace en Ithilienne, chaque joueur de l'ombre peut piocher 2 cartes. Ok, ça c'est très fort aussi. Site 4, 8 points crépusculaires, on est sur Cirith Ungol. Chaque fois qu'un compagnon est tué à Cirith Ungol, chaque joueur de l'ombre gagne un PV. Alors, vous allez voir à quoi ça correspond, ce fameux truc de PV. Montagne du Destin, donc voilà, Frodon va jeter son anneau s'il y arrive. 9 points crépusculaires et en ombre, défausser 4 cartes de votre main pour prendre en main un Séide de votre pile de défausse. Ça marche, je pense. Pour surtout aller récupérer bah, le gros monstre qui va essayer d'assassiner la compagnie à la fin. Je sais plus ce qu'Enola m'a dit, mais de toutes les parties que j'ai vues, il n'y en avait pas eu tant que ça pour l'instant, on est plutôt sur de la compagnie qui se fait tuer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il en reste qu'un seul finalement, et il y a peu de chances, en ce moment en tout cas du développement du jeu, que Frodon arrive à la fin. Ça a l'air à peu près complexe. Enfin, ça a l'air même très difficile. Mais de cette complexité naît aussi le défi de réussir à faire quelque chose d'intelligent. Donc il faut que je revienne sur le site 3 qui est Sanctuaire normalement, et cette histoire de PV ici. Alors le site 3 qui est Sanctuaire, il n'existe plus. Comme vous le voyez, il n'y a pas 9 sites, donc le site 6 n'existe pas non plus. En gros, on fait du 1 au 5 sans Sanctuaire. Voilà, donc ça veut dire que les compagnons, ils vont manger des marrons hein, quand même. Donc il faut faire attention. Alors. Dans le jeu, je vous ai montré ce truc-là. On va en venir tout de suite au fameux PV. Donc, en début de partie, vous avez le droit de recevoir un petit récapitulatif en fait des règles de base, pardon, qui est un petit retour avec. Alors, c'est simplifié, ça mérite d'être réécrit encore, mais c'est déjà très bien. Il y a deux trois choses qu'on a déjà revues sur cette première mouture. Notamment le fait que ça n'explique pas combien de fois on peut avancer, parce que vous savez que dans ce jeu-là, on avance une fois obligatoirement. Et ensuite, dans le multijoueur de Lord of the Ring TCG, la règle dit qu'on avance ensuite autant de. Enfin, en fait, dans le tour, on avance autant de fois qu'il y a deux joueurs. Ça veut dire que si vous êtes deux, vous pouvez avancer une seconde fois. Ce qu'on appelle plus communément, avec un anglicisme dégueulasse, le double move. Voilà. C'est-à-dire prendre le risque de ravancer sur un site suivant. Avec toujours les minions, donc les séides derrière qui nous poursuivent, plus des nouveaux points pour pouvoir assassiner un peu tout ça. Si on est 3, on est obligé d'avancer une fois, on peut ravancer deux fois. Voilà, ça fait 3 joueurs, 3 moves, donc 3 mouvements, 3 déplacements de compagnie maximum par tour. Et bien là, on en a reparlé récemment avec Nico, on enlève ce truc-là. C'est-à-dire que si la compagnie est assez forte pour avancer du 1 au 5, tant mieux pour elle, mais ça veut dire que soit le jeu est très mal designé,
Soit ça veut dire que du coup il a une chance monumentale qui enfin voilà, il devrait jouer au loto le même jour, parce que a priori c'est pas possible. Enfin je veux dire, premier tour, au site 2, il se prend minimum un monstre qui coûte 8, l'Urtz, le Balrog ou autre, même s'il a 4 compagnons, ça fait déjà bobo. La suite encore, enfin voilà, c'est quasiment impossible de penser à ce qu'il avance plus de 2 fois dans la partie, le joueur, normalement. Voilà. Donc vous avez des mots-clés, et puis vous avez donc cette histoire de PV, qu'on appelle les points de victoire, et ce qu'on a, enfin ce que Nico a très très justement inventé, c'est ce fameux Head X, là, je sais pas si vous le voyez avec mes gros doigts, là, dégueulasse. Donc, Head X. À la fin de votre phase de l'ombre, si vous jouez donc par exemple le premier joueur de l'ombre, celui qui est à droite du joueur de la compagnie, vous devez ajouter autant de jetons à la réserve crépusculaire que la valeur d'aide présente sur vos séides. Ce mot-clé n'existe pas à Lord of the Ring TCG. En gros, ça permet, quand vous avez fini, vous avez utilisé la réserve d'ombre, de mettre encore quelques petits points, hop! Donc c'est des capacités de monstre, c'est-à-dire que ça se paye ça dans le prix que coûte votre monstre ou votre effet quelconque. Ces points-là vont être ajoutés, vous finissez votre phase d'ombre, c'est au joueur à votre droite, en tant qu'ombre, qui va donc bénéficier de cette réserve qui sera donc grossie grâce à vous. Ça, c'est vraiment la clé de voûte, je trouve, du multi tel qu'il est refait en ce moment-là par Enola, parce que c'est ce qui manquait énormément au Lord of the Ring TCG. Peut-être qu'avec quelques brainstorming supplémentaires en 2000 ou 2001, c'est-à-dire juste avant que le jeu sorte, peut-être qu'ils auraient évité cet écueil de dire ouais, c'est super, on joue à plusieurs, mais par contre, au bout de la table, ça s'ennuie. Parce que quand vous êtes le troisième, quatrième ou cinquième joueur de l'ombre et que vous voyez que la réserve crépusculaire elle est utilisée avant vous, bah vous regardez juste vos cartes dans vos mains et vous vous ennuyez. Voilà, c'est ça ce qu'on ne veut pas en fait dans Lord of the Ring Multi. Donc, capé, donc maxi, enfin voilà, la limite pour l'instant. 3 ou 4 joueurs. De la réserve qui va se régénérer durant les tours d'ombre pour permettre à tout le monde de jouer au moins un petit effet, une petite situation, un petit séide. Si ça n'arrive pas, ce qui peut être le cas, bah au moins cette personne pourra jouer un boost sur un monstre qui ne lui appartient pas. Une fois qu'il est en combat, et c'est ça qui est aussi très bien pensé, les boosts, je vais vous les montrer, peuvent être utilisés la plupart du temps sur tous les monstres. Voilà, comme ça au moins on enlève le truc de cibler un monstre de la Moria. Bah oui, mais les autres ils jouent pas Moria. Alors, justement, comment ça se passe? Je vous montre les boosts après, ce qu'on a dans le deck. Je vous parle rapidement des PV d'abord. On va écarter les cartes aide de jeu. Je sais pas ce que j'ai dit là, aide de jeu, donc aide de jeu. On a une decklist directement liée à chaque deck. Donc là, par exemple, vous allez poser ça sur ou devant le deck Nazgûl. Vous allez poser cette carte-là, c'est l'objectif, hein, sur ou devant le deck Gollum. Hop, on va monter un petit peu. Vous allez poser cette carte-là devant ou sur le deck Moria. Et enfin, il y a le Isengard avec les Uruks. Pour les plus curieux ou curieuses d'entre vous, en ce moment est en développement intense, je dirais, 2 autres factions qui allongeraient en fait la liste à 5 factions Free People et 5 factions Séide, pour faire donc en Free People un Rohan et pour les Séides un Sauron. Donc l'idée là-dedans, c'est que tout a été, mais absolument tout, hein, tout a été designé pour donner à chaque jeu des grands archétypes que l'on peut déjà retrouver dans le jeu Lord of the Ring TCG. Et c'est ça qui relève, pardon, du génie, je trouve, de la part d'Enola. C'est que il a su synthétiser eh bien, l'essence même de chaque faction dans 30 cartes. Voilà. Les Nazgûl, ils vont essayer de coller du point fardeau. Gollum va essayer de blesser immédiatement, enfin directement le porteur d'anneau. Donc Frodon, hein, je vous cache rien. En Moria, eh bien, ça va essayer de faire ce qu'on appelle le swarm, donc avec le terme anglais le grouillement, c'est-à-dire plein de petits monstres partout. Et ici, là, avec l'Urtz là en photo, eh bien, c'est ce qu'on appelle communément le beatdown, c'est-à-dire des gros monstres avec beaucoup de force qui vont ensuite, une fois gagné le combat, eh bien, infliger un maximum de dégâts. Voilà. Donc, on a ces 4 archétypes-là. Et à côté de ça, eh bien, alors je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais peut-être mettre ça là-bas. Hop, voilà. Excusez-moi, je suis toujours un petit peu dans mon endroit rikiki là. En côté de ça, vous avez donc un Frodon.
Avec son anneau. Alors l'anneau c'est juste pour de la déco parce qu'il ne sert à rien dans ce jeu. Donc là c'est pareil avec une decklist hein, à chaque fois. Voilà, je vais pas la remontrer. Les cartes peuvent changer, donc là c'est juste une présentation aujourd'hui. Hein. Un Frodon donc pour chaque faction. Donc vous avez un Frodon elfe, un Frodon nain. Et puis vous avez aussi là, hop, un Frodon Gondor. Ils sont super beaux les Frodons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont à chaque fois à la couleur du de la faction, quoi. C'est une très très bonne idée aussi, ça, je trouve, d'avoir pensé à ça, au lieu de mettre juste une carte compagnie, parce qu'il n'y a pas encore de jeu compagnie de designer. On est en train d'y réfléchir, mais on s'est heurté, on en reparlera dans d'autres vidéos sur ce LOTR multi, mais on s'est heurté à des difficultés sur la phase de combat, comme le jeu est basé que sur le combat, les hobbits généralement évitent les combats, donc voilà, on va essayer de trouver un autre archétype pour le rendre intéressant. D'ailleurs, François, donc Bigfoot, a donné déjà des premières idées, notamment avec les alliés, ça a l'air d'être assez porteur ça, et on verra donc avec Enola qu'est-ce qui peut être proposé. Donc, au début de la partie, on est par exemple 4, on va prendre un exemple, on est 4 autour de la table. Je vais vous expliquer comment on commence le jeu, comment gagner aussi avec ces fameux points de victoire qui sont en fait liés aux objectifs Seïd. Donc il n'y a pas d'histoire de points de victoire avec les gentils. Les Free People, donc les gentils, eux, c'est toujours pareil. Ils doivent encaisser et réussir à sauver Frodon pour pas qu'il soit mort à la fin du dernier combat du site numéro 5. Mais à côté de ça, les Seïd peuvent non seulement tuer une compagnie, donc dans ce cas-là. Eh bien, si le Seïd, le premier Seïd, le premier joueur de l'ombre après le joueur compagnie, qui donc est à sa gauche, arrive à tuer cette compagnie, il récupère déjà 5 points de victoire. Mais je vais vous expliquer. Au début de la partie, tout le monde possède 5 points de victoire. Donc on les met généralement devant soi. Ces 5 points de victoire, ça va servir à parier, un peu comme l'histoire de parier avec des burdens, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont joué, on parie un nombre de points fardeau, on révèle, et ensuite celui qui a le plus, celle ou celui qui a le plus, choisit qui commence la partie, mais ça devient des points fardeau automatiquement. Sachant que dans ce LOTR multi, le porteur d'anneau a une résistance de 6 seulement, et pas de 10, donc ça peut aller très vite. Heureusement, parce que du coup, il n'y a aucun Seïd qui colle des points fardeaux. On ne peut pas mettre l'anneau pour avoir des points fardeaux. Il n'y a que les Nazgûl qui jouent avec ça. Donc là, pour l'instant, ça paraît léger encore un peu. C'est compliqué, il faut se concentrer. Donc je vous avoue que là, les Nazgûl, il faut qu'on revoie ça en fait. Parce qu'il n'y a que eux. Donc ils peuvent pas se répartir sur tout le monde. Parce que sinon, voilà, il faut qu'ils visent réellement son premier joueur à gauche. C'est-à-dire, il y a une histoire de ce qu'on voulait appeler Némésis au début. Mais autour de la table, si je joue compagnie ici. Eh ben, c'est mon premier joueur à ma droite qui est mon Némésis, c'est-à-dire le premier joueur de l'ombre. Donc c'est, je pense, quand on choisit Nazgûl, c'est là qu'il va falloir balancer le plus de points fardeau sur directement le joueur. Pas se répartir sur un tour subséquent quand on n'est pas le Némésis sur d'autres joueurs parce que ça paraît moins efficace. Bref, on a chacun 5 points. On va les prendre dans notre main et on va parier sur le fait de pouvoir commencer. J'en veux pour explication. Si je choisis 1 et que je révèle 1, et que les autres joueurs ont pris par exemple 2, 3 et 4, bah j'ai pas gagné. Donc moi je serai le dernier. Mais par contre, j'ai perdu 1 point de victoire. Il me reste 4 points de victoire. Le joueur qui a par exemple eh bien, parié 4, lui il perd 4 points de victoire, et donc il lui en reste plus qu'un seul, comme on commence avec 5. Mais il va avoir l'opportunité de choisir. Alors de choisir quoi? Bah tout simplement de choisir son paquet. Le premier joueur choisit donc son paquet. De Seïd. Je dis pas de bêtises là. Attendez, je préfère relire parce que j'ai un peu, je suis en train de me concentrer sur plein de trucs mis en place. Choisi où il se passe. Paquet de l'ombre, c'est ça. Donc en fait, là, le premier joueur qui a parié le plus va se positionner. Ensuite, à côté de lui, à sa gauche, va se positionner en fait. C'est à sa gauche ou à sa droite? J'ai oublié ça. Le deuxième qui a parié le plus, par exemple, celui qui a parié 3, et ainsi de suite, comme ça. Ensuite, celui qui a parié le moins, et à la fin, celui qui a parié le moins possible, bah, va se mettre en bout de table, quoi. Mais je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Est-ce que c'est une importance? Oui.
Ensuite, la seconde enchère la plus haute, choisie parmi les positions restantes de l'ordre du tour. Ah oui, c'est ça, c'est un peu différent. Celui qui a gagné choisit sa position dans l'ordre du tour, il peut très bien dire je m'assois à la deuxième place de la table, ou je m'assois à la quatrième place, ou je m'assois à la première place. Et une fois que tout le monde a choisi comme ça sa place, sachant que le dernier, bah, il n'a pas le choix, il doit prendre la place qui lui reste. Si personne n'a pris la première place, c'est lui qui sera obligé de prendre cette première place. Une fois que tout le monde a été réparti comme ça autour de la table, et que chacun a sa place, qui a été déterminée en premier par celui qui a parié le plus, eh bien, ce premier joueur, le premier joueur du début de table, va choisir son paquet d'ombres. Par exemple, il choisit de jouer Isengard. Donc là, il va récupérer tout le deck Isengard. Voilà. Je vais vous le montrer après, mais autant qu'on commence à le faire maintenant. Je sais plus où est-ce que c'est. Ça, c'est Gollum ou Mordor. Hop. Donc, ainsi de suite, selon le tour de jeu, eh bien, les gens vont récupérer leur. Bah, évidemment, fait que ce soit dans le dernier paquet. Vont récupérer leur paquet. Quand tout le monde a récupéré son paquet d'ombre, là, c'est très drôle. Tac, je l'ai. Donc là, j'ai pris par exemple le deck Isengard. Donc je récupère toutes les cartes Isengard. Il y en a 30. Tac, voilà. Hop, 30 cartes Isengard. Plus mon objectif, ma decklist. Hop, je suis prêt à jouer. Je pose mon objectif déjà sur ma table, dans mon aire de support. Je vais mélanger ensuite mon deck ombre avec le deck que je choisirai pour les peuples libres. Donc tout ça, ça a été choisi là-haut. Et ensuite, dans l'ordre inverse de la table, le dernier finalement qui a pu choisir son paquet de monstres, son paquet de séides, eh bien lui sera le premier à choisir sa compagnie. Et ainsi de suite. En fait, on rembobine à l'envers. Ça veut dire que le premier qui avait choisi son paquet d'ombre sera donc le dernier à choisir, même pas à choisir, donc à prendre la compagnie restante, quoi. Donc par exemple, je sais plus où est-ce qu'il est, moi j'ai envie de prendre, je sais pas moi, peut-être. Attendez. Non, ça me convient très bien les mains. Comme j'étais le premier, tout le monde choisit des trucs, et par exemple, il reste plus que le paquet nain, donc je prends mon Frodon, mon anneau nain, et ma decklist, et je prends le deck nain, pour pouvoir ensuite eh bien, positionner tous les compagnons au départ. Donc là, par exemple, vous voyez, il y en a 4 plus Frodon, ça fait 5. Et ensuite, je mélange donc mon deck, tout mon deck nain, avec le paquet, et ça fait mon deck. Tac, on mélange les 2 x 30 cartes, on mélange tout, et on peut commencer la partie. Chacun a sa pioche de départ. On a le droit de faire un mulligan, c'est-à-dire à prendre ses 8 cartes et ne pas les garder, les remélanger, en reprendre 6. Voilà, donc après, ça se joue de la même manière, sauf qu'il y a des phases qui vont sauter. Je vais vous présenter les decks un peu plus tard. J'essaye de vous expliquer ensuite maintenant l'histoire des PV. Dans Lord of the Ring TCG standard, le jeu normal, comme on l'a dit tout à l'heure, le Shadow Player, s'il explose un Free People, selon le nombre de personnes qu'il y a autour de la table, le jeu continue. Le jeu continue avec les restants. Voilà, tout simplement. Jusqu'à ce qu'il y ait un Highlander, un dernier survivant en compagnie, par exemple. Ici, c'est un peu différent. On a essayé de dynamiser l'interaction des joueurs de l'ombre. Parce que souvenez-vous, quand vous faisiez une table de 5 personnes, par exemple, ou de 4 personnes, et que tout le monde jouait des shadows complètement différents, ce qui là va être le cas, hein, mais vous allez voir qu'il y a une différence, eh bien, les boosts Nazgûl ne boostent que les Nazgûl. Les boosts Moria ne boostent que les Moria, et ainsi de suite. Les boosts hommes ne boostent que les hommes, et tout. Donc là, non seulement dans le jeu, on maximise l'interaction parce que, regardez, par exemple, un événement de combat qui coûte 1 en Isengard, donner plus 3 en force à un séide durant ce combat, ça ne vise même pas quel séide, donc vous pouvez le faire sur un séide qui n'est pas le vôtre. Donc c'est ça qui est génial. Donc maintenant, les boosts sont jouables partout, mais en plus, il y a cette histoire de PV. Donc, la magie opère quand on lit sa carte objectif, chaque fois qu'un point fardeau est ajouté, gagnez un PV. Donc je vous rappelle qu'au début, moi, si j'avais parié un point, il me reste 4 points de victoire, parce qu'on ne parie pas des fardeaux dans ce jeu, on parie des points de victoire, on en a 5 au début de la partie. Donc là, j'aurai déjà 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc je rajoute des points fardeaux, je gagne un PV, et ainsi de suite. Et donc si j'ai 15 PV, je gagne la partie. Et quand Frodon est tué ou corrompu, si vous êtes le premier joueur de l'ombre, donc le Némésis dont on parlait tout à l'heure, on gagne 5 PV. Donc ça peut, hop, donner un coup de boost pour notre victoire en Shadow Player, donc en joueur de l'ombre.
Donc, vous voyez, là déjà, ça change beaucoup du LOTR classique. C'est-à-dire que ça donne envie de jouer son archétype à fond pour pouvoir réussir à coller des PV, avancer aussi très bien sa compagnie, la protéger, mais maximiser les chances de gagner aussi en shadow pour pouvoir l'emporter. Alors, si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il y a, bah, c'est très simple. Comme on l'avait dit tout à l'heure un peu sur les archétypes, les Uruks, eux, c'est assez violent. Attendez, hop, la mise au point, voilà. Chaque fois qu'un Séide gagne un combat dans lequel vous avez joué un événement, gagnez un PV. Donc eux, ils vont s'amuser à foutre des boosts un peu partout pour que même si c'est pas des Uruks, le joueur Uruk gagne à chaque fois un PV. Donc ça, c'est très très puissant aussi. Alors, Gollum, il y a 4 Gollums, il y a une Arachnée, et il y a plein de cartes pour aller les rejouer en fait, hein. Il y a que deux mobs là-dedans. Chaque fois que Frodon prend une blessure, eh ben, gagner un PV. Donc le dessous, hein, c'est systématiquement la même chose d'un jeu à l'autre. Ça, vous l'avez compris. 15 PV pour gagner, etc. Moria, chaque fois qu'un compagnon perd un combat impliquant votre Séide, gagnez un PV. Voilà, donc là, ça peut aller très vite aussi. Et bien évidemment, chaque Frodon va, en Free People, donc en peuple libre, va apporter un bonus particulier. Donc ils sont tous 6 de résistance, encore une fois, hein. Mais par exemple, là, si j'ai pris le nain, chaque nain inflige des dégâts plus 2 pour chaque possession qu'il détient. Donc pareil, hein. On fait moins un nain, comme dans le temps avec le jeu LOTR TCG, une grosse tour comme Gimli avec un bracelet, une armure, un home, des haches, etc. Là, les armes sont très limitées. D'ailleurs, il y en a autant dans chaque paquet. Il y en a 3 pour 4 compagnons sauf Frodo, en gros, quoi. Donc c'est à vous de faire les choix. Chaque personnage a un effet excellent qu'il faut vraiment jouer. Et eux, bah, vous voyez, ils ont quasiment tous des dégâts plus 1. Il y a même d'un qui a des dégâts plus. Non, c'est Trarin qui a des dégâts plus 2. Glowin n'en a pas. Mais avec le game text de Frodon, vous l'équipez, il gonfle. Et puis ensuite, avec les boosts de bataille, et bah, vous pouvez gagner et tuer et directement rincer un peu la table. En parlant de paquets, alors comment ça s'est goupillé tout ça? Donc Enola a proposé un truc qui est très très bien, une fois de plus, c'est que tous les paquets vont avoir la moitié des cartes, donc des 30 cartes, donc 15 cartes, qui vont être identiques les unes aux autres. Par exemple, cette carte-là, événement manœuvre, blesser un Séide pour 1. Tout le monde va l'avoir. Le joueur elf va l'avoir, le joueur Gondor, tout le monde. Il y a juste le lore là ici qui change un petit peu pour diversifier un peu la carte. Ça aussi, plus 3 en force à un compagnon pour 2 en événement de combat. Si ce compagnon gagne un combat, vous pouvez retirer un point fardeau. Là c'est pareil, vous allez retrouver cette carte dans un autre deck. Par exemple, hop, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Si je prends celui-ci, le deck elf, hop là, vous voyez, on a exactement la même carte qui fait la même chose, avec un game text, enfin avec un lore différent juste. Donc déjà, on a une certaine forme d'équité qui est très intéressante parce que ça respecte finalement un tempo ben, dans le jeu, tout simplement. Celle-là aussi, c'est une carte que vous allez trouver partout. Et puis, vous avez par exemple des cartes spécifiques elfes. Par exemple, ici, le fameux Forearmed, donc préparé, qui s'inspire d'une carte en édition 6, les Ents de Fangorn. Qui est la même chose, sauf que c'est pas plus X, je crois que c'est moins X à un Séide. Enfin voilà, c'est le même, quasiment le même game text. Voilà, on a vraiment tout fait. Alors, c'est pas on, encore une fois, c'est Enola qui a fait. Je dis on parce qu'on fait des échanges réguliers en fait sur les idées qu'on a sur ce jeu. Mais il a vraiment voulu limiter les cartes, c'est-à-dire une carte, un effet. On lit pas 1000 ans une carte avec un game text long comme le bras pour se dire est-ce que je la joue? Après on relit une autre, c'est quoi déjà celle-là? Non, non. Un effet. Un effet. Prenez en main un événement de combat d'elfe de votre pile de défausse. Un effet. Un effet. Guérissez une blessure sur un compagnon. Un effet. Legolas, un effet. Voilà. Alors, il n'y a plus de phase d'archerie. Vous reconnaissez peut-être Legolas Vertefeuille. Il fait en manœuvre, ajouter un, donc il ne se blesse pas, hein. Il ajoute un pour blesser. Un Séide, mais une fois par phase. Donc là, il est complètement nerfé par rapport au Legolas de base. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Il y a d'autres cartes bien moins nerfées, donc plus, je dirais, améliorées. Genre Glowin, par exemple, quoi. Il était dans série numéro 2 à la mine de la Moria. Il fait un truc nul avec les Tales, je crois, les récits. Bon, là, c'est autre chose, quoi. Là, en gros, s'il détient une armure, on ajoute 3 pour guérir d'une blessure tous les nains, quoi. Donc c'est vraiment génial. Voici les fameuses lesdites armures. Voilà, donc on a essayé de rendre le jeu
séduisant, certes peut-être un peu limité, mais épuré plutôt. Plutôt que limité, je dirais épuré. L'idée là-dedans, c'est d'attirer potentiellement de nouveaux joueurs sur le jeu. Parce que c'est un jeu, moi je comprends pas en fait. D'ailleurs, il y a plein d'autres jeux de société, là j'en ai pas en tête, mais l'idée de donner des points et que l'autre les utilise, il y a plein d'autres jeux de société, j'en suis persuadé, parce que récemment je regardais encore des trucs. Ah bah ça me fait penser au système de l'OTR. Ce jeu est un monument du TCG et il est injustement oublié. Alors oublié, oui et non, sur Gamp, la plateforme en ligne. Il y a toujours une centaine ou peut-être plus même de tables qui jouent chaque jour. Donc tout doucement. Il n'est pas encore oublié, mais justement, Enola donne cher de sa personne pour faire quelque chose, voilà, pour donner un produit séduisant et exceptionnel. Et franchement, après les premiers essais qu'on a fait, alors déjà autour de la table, ça s'esclaffe, ça rigole, c'est trop drôle parce qu'il y a de la discussion comme dans le LOTR TCG multijoueur normal. Laisse-moi 3 points parce que j'ai un super truc à faire en combat, t'es sûr? Oui, bon, d'accord. Mais sauf que là, on n'a pas forcément envie de laisser beaucoup les points aux autres. Donc il y a des discussions. Pourquoi on n'a pas envie? Parce que nous, ça nous arrange. Par exemple, quand je joue au Rook, ça m'arrange de garder un point pour foutre un super bonus et gagner un point de victoire si le Séide en question sur lequel j'ai mis un bonus à gagner le combat. Ça m'arrange. Moi, j'ai envie de gagner des points de victoire. J'ai pas envie que les autres joueurs de l'ombre les gagnent, ces points de victoire. Et donc, on a la faction Gollum, par exemple, qui va s'amuser à donner des dilemmes. Bonjour, est-ce que je peux te voler un point de victoire à toi? Ou sinon, tu me laisses piocher trois cartes. Sauf si un joueur se défausse d'une carte. Enfin, voilà, des dilemmes. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai même envie de pousser, en fait, Enola à davantage encore créer des cartes à dilemme parce qu'il y a de la discussion, il y a de l'interaction, il y a de la. C'est un jeu de société, quoi, avec un grand S. Autour de la table, on se regarde bizarre. Ah oui, je sais ce que tu as dans ta main, tu vas me le mettre tout à l'heure et tout, donc non, je préfère te. Enfin, c'est trop trop bien. Trop trop bien. Tous les jeux qui ne sont pas des road movies comme ça ne sont pas censés pouvoir apporter autant d'interaction, et c'est pour ça que je trouve que ça tombe très bien en fait que le multijoueur existe sur les règles standards. Et là, non seulement vous pouvez gagner intelligemment en compagnie, mais vous pouvez aussi gagner très intelligemment en monstre, vous pouvez influencer le jeu des autres, voilà, et tout ça avec 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, avec 8 paquets de 30 cartes. Voilà, sans compter l'objectif, hein, c'est une carte supplémentaire. Pareil pour l'anneau, le porteur et le decklist. Donc pour l'instant, il y a que ça. Pour une entrée en matière, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de cartes à collectionner. J'essaye de faire, quand je parle dans une vidéo, surtout d'un jeu aussi prenant et aussi passionnant, j'essaye de résumer aux gens qui le connaissent un peu sans plus et qui ne savaient pas qu'il y avait une suite non officiel, mais j'essaye aussi de m'adresser à la cible. La cible, c'est les profanes, c'est-à-dire les néophytes. Et c'est pas du tout un terme négatif de dire ça. C'est tout le monde est le bienvenu pour jouer à ce jeu. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que moi, j'arrête le construit, en fait, dans les jeux en général. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre, en fait. Le scellé, comme ici, ou le draft, me convient bien mieux. Le construit, ça coûte 3 fois trop cher. Inventer un jeu de société comme le Hobbit Draft Game ou comme le LOTR Multi, ben c'est excellent parce que c'est un jeu de société, on ne collectionne plus rien, toutes les cartes sont là, on y joue. Donc on n'a plus ce sentiment de frustration de ne pas avoir tel rare en 2, 3 ou 4 dans son paquet. C'est juste génial. D'ailleurs, une fois qu'on aura fini de conseiller Nico, donc Enola sur tout ça, sur la première, enfin là on est à la V2, mais on va dire la mouture standard qui restera et qui pourra être distribuée, je pense, à partir du forum Pelennor Fields. Eh bien, on va commencer à travailler aussi en parallèle sur l'idée d'un petit deck de draft avec par exemple 4 cartes, 4 boosters de 4 cartes. On choisit une carte, on passe le booster à sa droite, on récupère le booster à sa gauche, on choisit une carte, on passe le booster à sa droite, on récupère et ainsi de suite. Donc un mini draft avec dedans des cartes supplémentaires
Alors, on ne sait pas encore s'il faudra retirer ensuite une carte de son paquet, enfin 4 cartes de son paquet, ou si on rehausse les paquets à 34 cartes au lieu de 30, par exemple. Ça va être en discussion, tout ça. Mais dans ces petites cartes en plus, ça va ajouter donc du renouvellement de partie. Parce qu'une fois qu'on a joué, je dis n'importe quoi, moi c'est pas mon cas, hein, j'ai fait que quelques parties, mais si on a joué par exemple 10 parties en Gondor Nazgûl, on a fait un peu le tour, on sait à peu près comment ça tourne, bah là, ces petits decks de draft au début nous permettront d'intégrer des cartes qui vont bah, changer et améliorer ou rendre plus difficile, je ne sais pas encore, mais en tout cas, renouveler le plaisir de jeu. Ces cartes seront évidemment des cartes neutres, qui pourront être, je ne sais pas moi, un allié hobbit, qui pourront être un artefact particulier, voilà, et qui seront donc uniques et que seule chaque personne pourra détenir en une fois et pas les autres. Voilà. Donc déjà que les jeux là sont tous uniques, sauf les boosts Free People, eh bien ça va encore améliorer en fait cette rejouabilité et ce renouvellement. Les boosts sont pas uniques, enfin sont pas liés en fait à un, voilà, un deck Seid. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, je vérifiais que je disais pas de bêtises. Vous avez par exemple, je sais pas si là il y a un Seid. Voilà, par exemple, tac, on a du Nazgûl. Bon, bah les Nazgûl, ils vont faire des trucs, ils vont piocher quand ils vont déplacer, ils vont rajouter un fardeau. Elles vont donner un boost si ça gagne, hop, on met un fardeau, etc. C'est pas exactement pareil que les Isengard qui, eux, vont rendre. Ah, j'ai gagné un combat, tiens, je suis acharné. Vous voyez donc, bon, vous l'avez compris, c'est interactif, intéressant, jouable et rejouable à merci et à satiété. Il y a des points communs sur certains decks, notamment les decks Free People, 15 cartes communes. Et toutes les autres sont inédites. Et il y a des synergies complètement diverses et variées sur les parties Seid. Je crois que ce jeu va être monumental et va être aussi fou que Hobbit Draft Game, même si, évidemment, a priori, il n'y aura pas autant de cartes que dans Hobbit Draft Game. Eh bien, écoutez, je pense que pour une première entrée en matière. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si à la fin de la vidéo, j'essaierai de mettre un petit. Après que je vous ai dit au revoir, un petit passage qui pourra durer 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, je ne sais pas. D'une table que j'avais filmée et que malheureusement la caméra s'est arrêtée par manque de batterie, donc j'ai pas la fin de jeu. Mais je vous mettrai un extrait dans la partie. Dedans, on retrouve Yazuki, donc Laurent. On retrouve. Qui c'est qu'il y avait aussi? Il y avait peut-être Quick, je ne sais plus exactement. Il y avait Quentin, peut-être. Je ne sais plus. Mais voilà, je la mettrai pas intégralement, parce qu'elle dure déjà 1h10, je crois. Et donc, la partie a duré 1h40 et s'est coupée à la fin. Mais pour vous montrer ça, je poste en parallèle une vidéo que vous pouvez peut-être pas regarder, parce ça va être pénible à force, ça dure 2 heures presque. Mais au moins, peut-être si vous avez un internet illimité, ce qui n'est pas mon cas, regardez, enfin écoutez ça en travaillant, en faisant votre ménage, pour écouter le discours qu'il peut y avoir dans les parties. Et ça, c'est super. Je pense qu'on ait pu garder ce souvenir des premiers tests de la communauté de l'anneau française, donc sur le Lord of the Rings multi. C'est bien parce que d'ici quelques mois ou quelques années, on pourra se dire, ah ben, t'as vu, c'est vrai que c'était comme ça au début. Là, on a encore évolué sur autre chose et la version finale, la dernière mouture, elle est mieux quand même. Et déjà, les discours entre les joueurs, enfin, moi, je trouve que c'est ça qui. Ça, je pense que dans le jeu de société, il y a la mécanique et donc l'intelligence qu'on a à mettre dans une concentration quelconque. Qui est très intéressante, c'est pour ça qu'on est, je pense, tous intéressés sur les jeux de société en général. En tout cas, si vous m'écoutez, je pense que c'est le cas. Mais c'est 50%. Les autres 50%, c'est la magie qu'il y a dans le regard d'un joueur. Et ça, il y a des fois où ça s'oublie un peu selon les jeux. Là, vraiment, je sais pas trop ce que j'ai à rajouter. J'ai envie en fait d'en parler encore 1 heure ou 2 heures de ce jeu-là, mais ce sera l'occasion peut-être sur une future vidéo. Vous allez voir en regardant les extraits de partie que c'est vraiment porteur. Je remercie énormément Enola. Donc, s'il me regarde hein, sur cette petite vidéo encore, n'hésite pas d'ailleurs
à commenter comme t'aimes le faire à chaque fois, hein, si tu me regardes, mec, pour me dire si, voilà, si j'ai oublié de dire quelque chose d'important, si, encore une fois, je parle sous ton contrôle, hein, si j'ai dit une bêtise sur ta création. Mais en tout cas, voilà, on est soudés, comme des frérots, pour faire, voilà, pour avancer dans ce jeu-là jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose d'exceptionnel. Et c'est magique parce que bah, on parle pas de fric là en fait. On parle que d'amour. Allez, je vous laisse. À la prochaine pour une vidéo sur LOTRTCG ou sur autre chose. Prenez soin de vous. Allez, salut. J'aurais dû ramener deux. Ouais, mais Nico. oui. Ah, c'est parti. Ah, bah, du coup, il faut s'installer parce que je vais me mettre très bien, très bien. Pas loin du radiateur. C'est pas qui joue, on a dit. Et qui joue alors, moi, bon, qui est le plus motivé? Qui est le quatrième? Vas-y. C'est à vous. Moi, je suis ce que je me souviens. Non, mais là, il est parti. Bon, j'y vais, Bitcoin. Vas-y, vas-y. Alors, merci. Installez-vous autour de la table et je vais vous lire. La trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors, dans un trou, je disais un hobbit. Je prends le livre. Alors, on va couper tout ce qu'il y a avant. Non. Alors, les règles du jeu, la mise en place. Le but du jeu est pour un joueur des peuples libres d'atteindre la phase de ralliement, donc la dernière phase d'un tour du cycle 5. Le joueur de l'ombre, les joueurs de l'ombre pour gagner doivent arriver à avoir 15 points de victoire et dans ce cas-là, le joueur qui a atteint 15 points de victoire est déclaré vaincu. Pour la mise en place du jeu, on place autant de paquets des peuples libres et de paquets de l'ombre qu'il y a de joueurs autour de la table. Chaque joueur commence avec 5 points de victoire et mise secrètement un certain nombre de points de victoire, au maximum 5. Les enchères sont révélées simultanément. La plus haute gagne le droit de choisir où il se place dans l'ordre du tour. Ensuite, la seconde enchère la plus haute choisit parmi les positions restantes dans l'ordre du tour et ainsi de suite. En cas d'égalité, le joueur règle au hasard celui qui choisit sa place en premier. Ordre du tour, qu'est-ce que c'est que l'ordre du tour? Et ben, le premier joueur, le joueur numéro 1, prend place autour de la table, suivi des autres dans l'ordre des aiguilles d'une montre et selon leur choix de position. Pour le choix des paquets, le premier joueur choisit un paquet de l'ombre, puis le second joueur choisit un paquet de l'ombre et ainsi de suite. Puis le dernier joueur choisit un paquet des peuples libres, puis le joueur à sa droite et ainsi de suite jusqu'au premier joueur. Le premier joueur est d'ailleurs celui qui démarrera en tant que joueur des peuples libres. Vous allez maintenant miser secrètement jusqu'à 5 points de victoire, sachant que ces points de victoire seront après utilisés pour, sur votre objectif. Décomptez de votre score total. Et démonter de votre score total. Ah, attends, si je mise 5, je pars avec 0. Exactement. D'accord. Sachant qu'il faut arriver avec 1. Oui, d'accord. Bon. Très bien, donc tu choisis en premier ta place. Je serai quatrième. Quatrième. Troisième. Vous avez misé tous les deux. Pareil, ouais. Pareil, il faudra DOD. Ouais, vas-y. Il y a un dé là. Non, vas-y. Non, bah là-bas. Vas-y. Ok, donc tu choisis ta position. Bah, je vais être. T'as dit quoi, quatrième? Non, troisième. Quatrième, troisième. Deuxième. Ok, bah, vous changez tous les. Est-ce que vous pouvez changer tous les deux places? Non. Okay. J'aime bien quand tu es à la tête. Vas-y, Quentin, t'es le premier à choisir ta chaîne. Ah, je suis premier à choisir ma chaîne. Ouais, Rook. Apparemment, c'est. Ah bon? Non. Bon, t'avais envie de choisir tout à fait l'autre. Moi aussi, ça. Ah bah, moi, je vais changer. Pour moi. Vas-y, Guillaume. Yes, je vais prendre Gondo ou Magicien. Ouais. Oh, le Magicien. Voilà. Comme ça change aussi les couples. Hein. Du coup, ça. Je ça. Ouais, tu peux jouer ta compagnie. Ouais. Comme voilà. On est aussi tard, on peut jouer notre allez. Compagnie. Voilà, lors de la mise en place. Ah, d'accord. Mettez en jeu. Tous vos compagnons et tous vos alliés, yep. Ainsi que votre carte objectif. On est d'accord, c'est qui. Ah bah tiens, les deux sont à moi.
quel que soit le choix, tu places un point fardeau qui convertit. Oui. Exactement. D'accord. Seulement, tu seras le seul à pouvoir en mettre. Tiens, il y a ça pour toi. Ok. Le Gollum ne fait pas ça. Le Gollum, on peut faire un tour de table pour savoir quel est l'objectif de chacun, vu que c'est la première partie de Quentin et Laurent. Alors, bon, ma carte objectif dit, chaque fois qu'un compagnon perd un combat impliquant votre séide, gagne un point de victoire. Bon, moi, je vais vouloir mettre des petits mobs qui participent dans des combats. Et, si jamais Frodon est corrompu, si vous êtes le premier joueur de l'ombre, gagnez 5 points de victoire. Ça, c'est pareil pour tout. Ouais, ça, c'est pareil. Okay. Chaque fois qu'un site gagne un combat dans lequel vous avez joué un événement, gagnez un point de victoire. Si vous avez 15 points de victoire, gagnez. Okay. Du coup, c'est pas forcément un de tes séides. C'est un tes événements à toi. Ouais, ouais, d'accord. Et moi, c'est chaque fois que un point fardeau est ajouté, je gagne un PD. Et moi, c'est à chaque fois que Frodon prend une blessure. D'accord. Je fais con ou pas en combat. Bon, alors, effectivement. Non, c'est que le Denethor est un adulte. Ah, pardon. Non, non, mais c'est normal. Mais si tu le joues, tu le joues. Mais il est en dessous. Oui, il est en dessous. Non, non, mais c'est normal. C'est normal, c'est que à chaque fois, l'erreur est la même. Je vais mettre un bord doré sur les amis. Ouais, mais tu t'en es rendu compte ou c'est parce que Bigfoot l'avait fait. C'est le même tel des deux côtés. C'est juste du. Voilà. Pour le lore, je commence avec. Tu reprends pas le numéro de la résistance, tu le laisses en texte. Ouais, je le laisse en texte. Parce que si on sait pas ce que c'est, sinon. C'est une valeur. Voilà, c'est que là, elle est expliquée. Tous les Frodons ont résistance 6. L'événement préparé, c'est le nom de la carte préparée. Ouais, ok. Tu sais ce que c'est préparé? C'est fort. Tu vois ce que c'est Je vois que c'est en 4, je crois, dans le bloc 2. Ouais, c'est ça, j'ai une carte de la salle. La résistance, c'est différent. Non, c'est pareil, c'est 6. On sait ce qui va arriver, quoi. Exactement. Donc, celles-là sont un petit peu progressives. Ici, on va pouvoir regarder tout. Oui, par exemple, oui. Il y a juste un changement de texte dans une de tes cartes. C'est ce qui a été discuté avant, c'est l'urs. Lorsque tu le joues, tu peux aussi aller chercher une situation de l'ombre dans ton deck. Bon, je te le dirai au moins. Ça s'appelle ce spécialiste. C'est un métier. Alors, si vous avez suivi, qui est le premier joueur des. Quentin. Ouais, du cours demain, alors. Ouais, cours demain. Là, ils sont un petit peu. Ils sont nets. Oui. Les pauvres, je les plains, je les plains. Oh, oui, et les nouvelles, elles sont vraiment. Allez, bon, en plus, demain, j'ai 13h-19h non-stop là. 2h de colle. Les pompes ont pris des coquilles parce que je sais que j'ai toujours la même distance. Ah, attends, il y a des colles à 20h. Je vois mieux qu'avec cette position. Ouais, les colles. Mais ça, non, tu peux terminer ça. Ah, les élèves aussi, hein. Oui, bah. Je fais ça comme élève. Bah, ouais. Tu as fait quoi comme cours en ce moment? Non, là en ce moment c'est dérivabilité, c'est tranquille. Je fais les tangentes la dernière fois et tout, je reprends du programme de lycée. Tu fais des trucs appliqués ou ça reste très théorique? Bah, pour l'instant ça reste vraiment maîtriser le concept. Et après on va aller sur les développements limités, ouais, mais au second semestre plus tard. Puis je reparle aussi des fonctions de plusieurs variables, je reparle. C'est le problème de deuxième année, ça marche. Mais voilà. Tu pensais à quoi sinon? Non, je peux savoir si tu veux mettre dans des cas pratiques du style, si vous avez. Sachant que vous avez 3 boosts dans un deck, vous avez des permutés d'en choper, etc. Non, mais par contre, dans mon TD de proba, ouais, je sais pas qui je veux dire. C'est applicable à tout. J'ai des exercices sur du Texas Hold'em. Ok, voilà, très bien. Du style. Là, je pense que ça peut les aider. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le Texas Hold'em, maintenant, c'est un truc qui était bien pour nos âges. Oui, non, mais je crois que maintenant, les jeunes, maintenant, ils savent chose, plus que ça, quoi. Quand je parle de Turn and River. Mais ils jouent pas au poker? Bah non. Il faut t'intéresser à ce qu'ils font, du coup, pour en faire des exercices. Ouais, je sais.
Mais alors, le président, vous avez une vidéo TikTok. ouais. Vous alors, voulez faire 250 000 foot, ça marche tout le temps. Oui, oui, il y a foot, ouais, c'est vrai. Ouais, mais alors, attends, parce qu'il y a aussi le fait que j'ai pas mal de filles. Oui, il y a aussi des filles qui parlent de foot. Mais en fait, c'est pas ça, c'est quand un gars comme moi parle de foot. Ouais, je suis bonhomme. Justement, si tu ramènes dans un point de vue toi, purement statistique ou sur les paris ou autre. Alors, en fait, des fois, j'utilise des trucs de sport, mais c'est plutôt du tennis ou d'autres choses. Que... Tu prends des jours ou on perd. Toi, tu prends des sports ou on perd. Ah oui, en tennis, oui, c'est vrai que en France, c'est pas. Mais, on a le week-end, hein. On prend du handball, je crois. Ok. En plus, c'est le sport pour le coup, c'est bien. Ça se développe vachement, oui. Donc, c'est vrai que t'as raison. Il faut rester plus. On même un peu Alors, il va y avoir les JO à Paris. En plus, ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, ils sont un peu trop âgés pour faire des vocations sur rien. Non, c'est plus en gros pour mettre dans la thématique. Ah oui, ouais. Le stade, il fait tant de personnes, je sais pas. Il y a des places gratuites de tirer au sort qui est quoi de probabilité de choper la place gratuite de tirer au sort. Bon, on est là. C'est vrai que c'est plus sympa. Le stade, il a une forme ovale. À quel endroit du stade vous verrez mieux, vous couvrez le plus de machin. Le stade a une forme ovale. À quel endroit du stade vous couvrez le plus de visibilité avec. Attends, ouais. Alors, ça, c'est de la géométrie, par contre. T'es dans une tangente, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais. C'est juste tangente, c'est le seul truc de géométrie qu'on peut faire, je pense, de toute façon. Un peu de cercle trigonométrique à un moment, mais. Non, bah. Tu peux une application pratique. Non, pas ça. Ah bon. Bon, on y va ou on y va pas là. Le second que j'aime bien, c'est les. Si tu veux chercher où sont les situations, c'est. Il y en a trois. Non, d'accord. Elles font toutes la même chose. Celle d'Aragorn est plus forte. Celle d'Aragorn est plus forte. Donc Shadow, c'est Guy qui va commencer, c'est ça, ouais. Non, c'est toi. Non, je crois que c'est le tour des données. C'est celui à droite. Je peux vous dire les règles du jeu. Voilà, utiliser les capacités. Voilà. Phase de compagnie, jouer des possessions, des situations et des événements de compagnie. Utilisez les capacités de compagnie de vos compagnons. Déplacez-vous jusqu'au site suivant, ajoutez un nombre de jetons indiqué sur le site et autant que le nombre de compagnons. Phase de l'ombre, une pour chaque joueur. Le joueur à droite du joueur des peuples libres est le premier joueur de l'ombre à effectuer sa phase de l'ombre. J'ai payé un. Ah, très bien. Voilà. Jouez des séides, des situations et des événements de l'ombre. Utilisez les capacités de l'ombre de vos séides. Et il y a un autre malus, voilà. Défausser sa situation à la phase de l'alignement. Oui. Mais je vois là, ça annule un des symboles comme ça. Et je crois que c'est rétroactif. Si tu sors avant, tu sors après un truc comme ça. Je crois que c'est le concept du jeu Gondor. Ouais, c'est tout le concept là-dessus. Hein. Ouais, du coup, on va avoir une condition comme ça à chaque tour. C'est bon. Ah, t'as un truc qui te permet de la rejouer. Donc, tu l'as dit. Je fais ça. Ah oui, t'as. Dans la c'est ça. Et deux actions tout le temps, sauf si t'en as. D'accord, bah go alors. Alors, je relance un peu là, donc on a commencé à mettre le dessin. Je vais mettre un petit peu plus là. T'avances ? Oui, mais c'est normal. Justement, je vais voir sur une première partie. Ok. Mais si c'est 4, c'est vrai, il y a des gouttes de haut. Et on a tous une action à faire qui est de choper notre mort. On va vite, le baser. Et c'est plus, il y a trois côtés. Et il y a des machins. Tu peux le faire aussi. Ah oui, d'accord. Tu te souviens pas, on en avait discuté. Ouais, non mais je me rappelle, si on l'avait fait hier soir. Ah oui, d'accord. C'est pour les elfes. C'est si les elfes commencent. Non mais ça paraît bien, c'est juste que j'avais pas. J'avais pas enregistré. J'avais pas entendu. Est-ce qu'on a des cartes qui permettent de récupérer des cartes de la défense? Oui, j'ai des cartes. Ça y est, je vais y aller. Merci, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de jouer à l'orgue d'une façon ou d'une autre. Avec plaisir. Merci, voilà, ouais, merci d'être passé. Ah ouais, c'était chouette. Ouais, c'était bien. Allô. Bah oui, toi, j'ai gagné à chaque fois, c'est ça en fait.
C'est quoi le premier jeu qu'on a fait? Vas-y, tout ça. Le site il coûte déjà cher. T'es installé en fait. Ensuite il y a eu le teaser sans la vie. Ouais, non, mais t'es installé. Il y a eu des 4 compagnons, dont 1 qui a 13. Et le dernier, c'est lui aussi. Donc t'as une comme exactement. Exactement. Ça c'est la gueule. Après c'est sur la fil. Salut. Ciao, ciao. Donc tu regardes les cartes, donc on peut acheter. Quand on achète une carte de niveau 2, ça met des petits feux ici de niveau 2. Ça fait 3 feux. Avec la flamme, ça permet d'éteindre du feu. Plus tard, alors, les niveaux. C'est la couleur de son sur la droite. Ça c'est ce qui arrive dans la coupe, c'est ça? Si ça fait la couleur, c'est les cartes qui sont les deux bases, je pense. C'est mieux. Ouais, ouais, easy le truc. Ah non, lui aussi il y a deux. Ah non. Ouais. Pas d'aide, par contre, je peux, je te regarde. Ah oui, donc l'aide, je vous laisse expliquer peut-être. L'aide, du fait qu'à la fin de ta shadow, tu remets de la poule. Donc ça aide les autres. Ça aide les autres joueurs shadow. Alors, les points de vie, je prends un petit s'il te plaît. Ils sont représentés. C'est à toi. Les gorooms, alors il y en a un qui fait. Qui pioche 4 quand il arrive. Qui pioche 4 cartes. T'en as un qui fait moins 1 au coup de tes événements. T'en as un qui fait moins 5 au coup de chez l'autre. Et t'en as un qui dit chaque fois qu'il gagne, tu poses le porteur. Non, les fleurs aussi, c'est quand même des conditions. Ils sont tous bien sur la situation. C'est vrai, ils sont en fonction de l'étape. Là, typiquement, tu vas pas jouer celui qui fait moins 5 au coup de chez l'autre. Non. Ça sert à rien. Donc, si t'amasses des 20, tu joues celui qui fait moins d'un des 20, sinon tu fais celui qui fait plus jeter de branches. Le but de partie, c'est quand même pratique. Ouais. La ressource branche, c'est pour acheter des armes. On va jouer celui qui fait moins d'un, c'est acheter des cartes ou des armes. Tu peux acheter des cartes pour ton deck ou des armes pour mettre dans ta. Ouais. Ouais, et toi, t'as pas aide, machin, truc. Non, c'est un rare. Quand t'as fini, tu gagnes. Ok, bah, je crois que le pantin. Ok, bah, on a deux. Sachant que quand tu fais. Du coup, le pantin. Le bonus que t'as fait. Ça te prend en manœuvre. Ça te prend en manœuvre. Je fais le total des soleils. Et plus, c'est un peu. C'est intéressant. En fait, hop là. À partir du moment où t'as joué une fois, je pense que la fois, c'est déjà beaucoup plus fini. Bah c'est vraiment que la part si rapide. Ici et un autre, bah sur le soleil de là, bah c'est assez straight forward. Oui, c'est ça, peut-être trop même. Mais, bon, et non, donc chaque. Là, c'est marqué. En fait, tant qu'il y a de la discussion, tant qu'il y a des trucs à. Je peux acheter plusieurs fois le même. Ok. Donc, je paye 1 pour faire ça. Oui. Et donc, il y a une de victoire. Et moi, je sais pas. Effectivement, puisque en fait, quand il fait ça, il faut qu'un joueur de l'ombre gagne un point de victoire. Il rajoute un et un joueur de l'ombre gagne un point de victoire. Donc, je crois que c'est un peu plus de temps. Et que tu as. Ouais, on est en manœuvre. Voilà. Je ne joue pas. L'attaque adversaire, oui. Quand tu avec ces petits machins-là, quand avec ton pion tu le déplaces et tu le déplaces. Chaque joueur de l'ombre pioche 4 cartes, tu peux les voler. Mais Quentin peut laisser trop long pour abuser. Et les jetons, on n'a pas de victoire. Donc, ça sent un peu de temps. Ouais, ça sent juste dans la vie. Ça peut prendre une en valeur. Une en valeur joker. Donc, si le tapis, Laurent, à toi. Si ça avait été 3 cartes, tu l'aurais fait aussi. On est en petit plateau aussi. Donc on va acheter un bah 2 ou 3. Moi je crois. Et avec 2. Non, c'est une question. Voilà. Ce qui fait que si tu me. Quentin, à toi. On va être manœuvre. Mon arbre, on a déjà 2 arbres différents. T'as ralenti. Je choisis. Ça, c'est des arbres jokers. C'est un arbre, parce que pour la constitution, ça va avoir 2 arbres différents. Donc pour la résolution, le canton à la main, il fait sa première manœuvre. Oui, c'est ça, après, voilà, il reprend la main. Ah, il est juste dégâts plus loin. Il pas au bon endroit, d'accord. Parce que le feu, il faut avoir 12. Ce qu'on dit, c'est toujours en manœuvre. C'est 12 en valeur de. Non, mais ça dépend de comment tu as fait tout ça. Oui, non, mais bien sûr. Le gros morceau, c'est lui. C'est par rapport à ce qu'on dit. Oui, non, bien sûr, mais je base ma réflexion sur un. Je vais vérifier, je pense que c'est ça. Et pareil, les fleurs, je trouve que t'es 12 fleurs.
dans ta plantation, sachant que tu as ouais, que ça soit une nom, ça. De là, si tu as fait toute la ligne, lui il en fait un, lui il en fait deux, et tu as certaines cartes qui en donnent aussi. Il faut constamment compter. Non, mais je passe. Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Non, moi je vais de la main avant. En gros, c'est ça. Je joue ça et du coup, oui, pour te voler un point de victoire, là, en gros, et n'importe quel joueur peut défausser 4 cartes pour annuler le. Ce qui permet de te déplacer là. La case où tu arrives, ça fait un effet sympa. Et en plus, que nous, on va trop avoir envie de ne pas te protéger. C'est en gros 5-4-4-5. Non, mais je défausse mon 4-4. Ok. C'est le deck de départ. Ah, si, ils sont tous. Ah, c'est une manœuvre, je sais pas. Oui, si c'est un jeu que. Ah, c'est une manœuvre. Ah, ouais. J'avais pas trouvé la situation. Ah, oui, ça ressemble un peu. Ok, faut que je change d'image. C'est ça. Peut-être changer d'image. Possiblement, c'est peut-être parce que j'ai lu trop vite. Donc, ce texte est assez large. Ça, c'est tout simple. Donc, blabla. Tu n'as pas de manœuvre et personne n'en fait derrière. Ok. Ok, j'ai pas fini de Fierce, tout ça. Non. L'Overwhelm existe. Ah oui, 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 c'est précisé dans la règle. Phase de combat, une pour chaque combat. Jouer des événements de combat uniquement, hein, il n'y a pas de capacité de combat. À tour de rôle, en commençant par ce genre de peuple. Résolvez ce combat en cas de force double. Le personnage perdant est. Donc le feu, je dis, ça fait des points de victoire de l'éteindre. Et il faut qu'en fin de tour. Il y a défenseur plus 1, Ragnar. Ah, il est défenseur plus 1 et pour Romir aussi. De base, Boromir, il est toujours défenseur plus 1 et Ragnar avec sa situation. Pas écrit. C'est le truc que tu as joué. Ah oui. Oui, c'est le seul truc qui est en dessous. Ouais, alors. Ouais, mais... Non, mais il faut lire les cartes. Ouais, t'as donné pour ça. Tu peux pas mettre un petit icône autrement. Non, ouais, c'est vrai, je sais pas s'il y a plusieurs cartes qu'on va prendre plus. En fait, c'est toujours les mêmes, mais du coup, je l'ai pas mis parce que c'était toujours les mêmes. Une icône, c'est une bonne idée. Ouais, bah j'y ai pensé, mais je savais pas. Mais genre, l'icône de du personnage, là, je fais plus un. Ah, signé. Je crois que c'est que avec les. Un bonhomme utilisé je veux dire qu'en gros il peut tanker une personne de plus. Ça te permet quoi de faire déjà ah oui, les c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y avait dans le Seigneur des Anneaux. Non, pas du tout du Seigneur des Anneaux. Pas du tout du Seigneur des Anneaux. Juste un petit ah oui, d'accord. Une silhouette du personnage. Ah ouais, d'accord. Alors, on y va. Ouais, j'ai. Et à la limite, tu prends Nico. Par quoi ? Par lui ? Je suis à 7, là, à 5. C'est pas moi, toi. Pardon, tu es surprendre. Je suis à 7, là, ici. 7 à 5. Celui qui peut jouer des actions, c'est uniquement le propriétaire du monde. Non, c'est ah non, c'est sûr. Tout l'intérêt, ça va être, tu vas voir, c'est tout l'intérêt du jeu. 7 à 7. 5 à 5. Ok, s'il si gagne le combat, il gagne un point du corps. Si, ah oui, pourquoi ? Ah bah, je sais pas, c'est gagner des combats, gagner plein de combats. Bah, ouais, mais il y a des merdes, hein. Donc, Bah, ouais. Alors, en fait, le nombre de feux qu'on éteint, c'est ici. Ça me va. 5, non ? 7 à 5, oui. 7 à 5, par deux fois. C'est un point d'histoire. Ouais. Un point d'histoire parce que le frelon. T'as deux blessures déjà ? Ah oui. Ok. Ça, je prends 3. Non, c'est vrai, je vais prendre 3. Là, non, c'est pas une possession. Hein. Là, je prends. Ah non. Et 20 ouais. Ok. Je vais juger un barreau. Si par exemple, il y a. Ah non, excuse-moi. Je crois que c'est lui qui gère. Non. Attends, t'es à combien du coup là? Je suis à 9. T'es à 9.
9, tu veux donner les bonnes points? Bah, c'est l'ordre de 1 aussi. Bah, tiens, pour 1, je vais donner plus 2, et si le Gugut gagne, je prends un point farbon. Oh, non, j'étais à 3. Quand on achète des cartes, ça va être bien. Et bah, voilà. Ah bah il fallait que j'essaie. C'est moins que le total de ça. Est-ce que tu dois retourner le carton? Non, on refait notre main d'abord. Oui, on refait notre main et après c'est à Laurent du coup. Alors, je vais vous dire comment ça se passe une phase de ralliement. Reconstituer les mains des joueurs de l'ombre. Le joueur des peuples libres a le choix suivant, soit il avance le cycle suivant. Retourner à la phase de l'ombre, soit il reconstitue sa main et le joueur de l'ombre défausse tous les séries du jeu. Le joueur à sa gauche devient le prochain joueur des peuples libres. Soit t'achètes une carte, soit t'achètes un machin, soit t'es un feu. D'accord. Et un truc aussi, il n'y a pas de move limite. Ah ouais. Tu peux faire un sang si tu veux. Ça paraît chaud quand même. Voilà, c'est que je suis assez assuré du truc. Donc, pour ne pas rajouter une règle. C'est bon, donc tout ça, ça s'en va. Si à la limite, tu vois, si le gars il réussit un 5, ça devient juste légendaire. Oui, ça devient légendaire. C'est à toi, grand coup. Oui, donc moi je vais payer un. Et je vais placer une carte de maman sur ma pioche. Par contre, il y a que Frodon qui est en. Okay. Très joli, une fois qu'on a tu peux faire. Ouais, okay. Et puis j'ai pas des coups. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon bah je vais avancer. Je vais choisir le bleu. Le bleu. Donc, c'est ça qu'on avance. Ça sera quoi enfin, le premier joueur de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je me défausse de carte. J'en ai 11. J'ai plus que la vache. Normalement, ils sont pas bah, c'est bien, lui. Hein? C'est bien. Jette ta filou là, tu c'est pas ton tour. Ouais, mais j'aurais aimé avoir la filou avant. J'ai plus que j'ai 3 ans. C'est pas faux. En gros, il me dit. Je ne mange pas. D'accord. Les doubles moves sont une réalité ou juste une bah, c'est arrivé avant, Bigfoot en a fait un. Moi, quand j'ai joué à des parties où il y avait trois joueurs, ben, ouais, il y a eu des 3-5 et voilà, la personne est arrivée au 5. Donc c'était chaud avec des points de victoire à tort. C'est faisable et en plus. Parlant de la Rouen qui est très bien. Oui, je vois qu'elle retire du pool. Elle va retirer de la poule. Les elfes peuvent donner pas mal de poules dû à certains événements. Okay. Voilà. Ouais, ça. Et donc ça peut compenser pour pouvoir doubler tranquillement. Voilà. Je veux ça. Elle cherche, elle est lourde, c'est pas. Ouais, ah oui. Ça fait quoi? Le coût de mes événements est de moins 1. Voilà, moi c'est le cycle des. C'est actions supplémentaires. Ah oui. C'est vrai que si t'as plein de feu, et là tu dis bah, avec ma première action j'achète une carte, deuxième action je me déplace, j'arrive là-dessus, bah, je peux re-acheter une carte. Avec le même soleil. Voilà. C'est action. Bah, du coup, je sais pas si on fait les feux. Ouais, je sais pas si c'est nécessaire. Ah, ça, c'est action soleil supplémentaire, action eau supplémentaire. Ce qu'on a dit avant, c'est que effectivement, les situations. Les situations ici ne sortaient pas. J'imagine, ça posait un problème à. Qu'est-ce que tu veux changer? Bah, c'était dire que tu vas chercher une situation de l'ombre. À l'ombre, je vais pas la faire deux fois. Donc là, t'as payé 8, c'est bon? Ouais, et tu veux autre chose? L'intérêt, c'est que tu fais l'ombre, tu le rejoues après avec des ions. Tu peux le rejouer avec des ions, Donc l'action. Si, oui, si, tu peux. Oui, donc tu peux remplir tes situations. Ouais. C'est un autant de valeur de feu. J'ai fini, ouais. Là, si j'ai que 2 de flash, je peux faire le petit feu. D'accord. Si t'as 5, tu peux arriver. Tu peux faire. Ouais. C'est une direction. Ouais. Et si tu l'as fait 2 fois, tu peux avoir ta main ou. C'est ça, c'est ça. C'est un peu pour. D'accord. Bon, franchement, c'est bien. C'est ça que ça sert d'avoir des actions supplémentaires. Apparemment, tu veux des actions supplémentaires. Ouais. Donc on va voir. Les différentes actions. Bah, vas-y. Récupère un fragment comme ça. Et tu seras aidé. Et du coup, tu
gardes. Ok, bah y'a plus de poules pour Antonio, mais je sais pas si t'as un truc à jouer. Bah, y'a des trucs à zéro, mais les situations. Annuler une des cartes que tu as. Vas-y, manœuvre. On va garder notre main. Alors, manœuvre, du coup, je vais utiliser. Attends, t'es sûr que tu fais ça. Le dernier jour, en général, je fais juste une opération. Bah, je pourrais le. Pour qu'il fasse pas d'action. C'est-à-dire c'est pas ça, ouais, enfin, oui, ok, c'est en fait, sinon il va faire après, il va faire un girable. Une action possible, c'est de dépenser des spirales pour se déplacer. Comme tu veux, mais... Dépenser des spirales pour se déplacer. Comme tu sens. J'aurais pas du tout. Ouais, je vais suivre ma première... Ouais, très bien. Je t'aime bien ce que t'as. Je vais mettre une carte ici. Et du coup, avec les conditions de victoire de Fantin, c'est bizarre. Alors là, il faut être très discipliné. Quoi. Faut, quand c'est à toi, tu dis passe. C'est à toi, là, tu dis. Non, ok. J'ai quelque chose ou pas? Non, je fais rien. Alors, tu dis. Soit tu me donnes un point de victoire, soit tu donnes plus 5 en force. Bah, je vais donner 5 à ville. C'est la victoire surprise. Et ça, manœuvre toujours ? Oui. Je passe. C'est plusieurs esprits de la nature complète. Une des trois conditions de victoire à la fin d'un tour. Ah, c'est qu'une fois. Ça va pas faire ça. Ah merde ! Une condition que je joue pas. Si on se confond. Oui, oui, bah sinon. Mais aussi un peu d'argent. Ah, tu voulais peut-être pas blesser lui ? Je suis, parce que. Je me donne 18 de poule et puis 2 de mon deux. Bon, allez, j'avance. Allez, 24 de poule, c'est bon pour les morts. Allez, j'avance. Bon, il est facile. Ajouter les fleurs de l'eau. Donc, tac, 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 tac. Non, mais j'ai pas de choses. Qu'est-ce qu'ils font ? Elle, elle permet de prendre ma carte, de la mettre là. Lui, il me permet d'aller chercher la carte Forearm dans mon deck. Lui, si jamais je gagne un combat, je peux soigner un elf. Elle a les dégâts plus 1. Je double move, on retire 5 de la poule. Et lui, une fois. Je rajoute un jeton et je mets une blessure. Hop. Donc rien de plus en manœuvre, il reste 2, c'est ça ? Bah ouais. Ok. Je suis affecté. Je vais faire celui-ci en premier. Ouais. 7, 11. Attends. Là, la campagne n'est pas. Ouais. Quand tu joues des événements dans des combats qui gagnent, tu gagnes des points. Bah, je peux jouer en service, non ? Oui, ok. Mais ça change quoi ? Ça change que c'était... il était pas loin d'Overwhelm. On était à 11 contre 7. Tu fais plus 3 et Overwhelm. Ça peut t'aider. C'est ton joueur que t'as envie de tuer. Ah ouais ? Tu peux dire que t'as pas un combat. T'as une mine d'or là en fait. Pas envie. Non, Arwen c'est fait alors. Donc c'est bon. Okay. Ouais, c'est okay. Et là on est là, donc 8-15. Ouais. Hop, non, hop. 8-15, je vais faire justement préparer. Donner un. Oh, ça a l'air. Un gros 8 skin. Oh, mais un 8 skin. C'est plus 8, 16. C'est 16 à 15. D'accord, on peut avec les jetons là. On peut annuler ton troisième symbole comme ça. 16 à 15. De l'annuler avant qu'il. Mais c'est des gros boosts. Ouais. Au moment où tu réveilles, il faut que je gagne les combats. Ouais, alors le problème, c'est que je peux pas mettre, de. Oui. Des... Faut que tu joues des îles. Non, mais bien sûr, d'accord. Ouais, Guillaume. Le truc, le fait de mettre des plus temps et temps sur les éléments de combat, tu sais, ouais. C'était dit avant, ça marche pas pour Forearm et l'événement nain. C'est dans la position, ça. Donc, du coup, tu mets juste plus X. Ouais, ok.
quoi le contrat? Non, vous simplifiez la lecture, vous voulez mettre des. Oui, plus visuel, plus 1, plus 4. Donc tu mets moins 8, c'est ça? Non, non, plus 6, c'est plus 8. Ah, plus 16, 15. Non, c'est gratuit. C'est combien? Je vais essayer. Plus 3. Oui, il faut donner le test. Non, moi, je passe. Je vais faire un autre. Je vais gagner encore plus. Ouais, bah c'était 24 à 18, je pense que. Bah, tu peux jouer, j'ai quelque chose. Oui, non. C'est bon? Donc je gagne, tu prends un. C'est bon, et bah voilà, très bien. Si on a gagné une pointe de victoire. Ça, c'est un petit peu l'eau de vie, je peux passer, on a gagné. Ah oui, t'as gagné. Ah, c'est bon. T'as vu l'autre commentaire? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça quoi? C'est comme ça qu'on gagne pas du tout. Ah oui, donc effectivement. Oui, du coup, ouais. Ça, tu regardes en fait notre main. C'est pas grave. Il y a aussi des événements qui blessent. Donc en fait, dans le cas où il l'aurait défaussé, tu aurais blessé lui deux fois. Une fois avec lui, j'ai trois comme ça. Non, mais moi, ma main est pourrie. Ok, donc c'est la tenue. C'est un, vous pouvez reprendre vos adresses. Ouais. Bon, je crois que je vais me la jouer grosse gag. Allez, on peut se péter. Ouais, et puis jouer un bâton, il y a. Pour que tu puisses voir en fait. Sur qui il vaut mieux mettre sur le cardinal. Alors, Landaf, il est que destiné à mourir. Que comme tu vas le rejouer. Radagast, c'est pas mal. Bon, et si on Radagast. Allez, c'est parti. C'est tout. Oui. Deux, c'est bien. Et trois, c'est bien. Et en fait, ce sera tout en fin. Avant tous les trucs, de la poule. Je pas assez, je pense. Bah, tu mets pour le site et tu vas y aller mettre ton bateau. Ça, c'est notre réserve à futur point G. C'est ça. Il y a deux merdes. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup avec tout ça? Passif. Avec six feux, ce qui est une carte qui m'intéresse. Nazgûl elf, c'est que t'as pas mal de séides assez gros pour pouvoir pas refaire de la télépathie. De toute façon, t'achètes une carte par la suite. Je vais mettre 6. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide, ouais. Donc t'as 3. Ouais. C'est pour le prochain. À toi, j'entends. Alors, ça, c'est les prix. Le prix, c'est le. Ouais. En fait, un truc tout simple, mais Mordul Days, au lieu de faire lui, il joue un Nazgûl, il va coûter un 2. C'est caché, d'accord. Bah, ajouter 2. Voilà. Tu reprends un. 3 points. Oui, tout à fait. 5, 5. 6, 7, 8, 9. D'accord. C'est important. Surtout qu'ils sont là, les deux. Et que ça te fait gagner Mordul Days. Tu es. Et il y a Ed 1, hein. Lisez votre carte. Yes. Et là aussi d'ailleurs. Bah, je pense que c'est ça que je comprends. Ouais, rien. Ok, bah vas-y, Tony. Il y a Radagast et Saruman en tout cas sur table. Dégâts, acharnés, acharnés aussi. Bah, au moins 3, sinon, toutes tes cartes. 4, 5, 5. Voilà, 5. On va pas piocher plus. Donc à 2, tu peux faire le malin, mais voilà, mais voilà, tu fais le malin, tu tombes dans la. Ben, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Okay. Je peux faire le malin pour rien. Je vais être obligé de prendre 2 balles. Parce qu'après, c'est toi qui choisis. Et quand tu achètes là, c'est refilé automatiquement ou c'est à la fin du tour? Donc, il reste 1. Oui, les Nazgûl, donc le Hitchkin fait que quand un Nazgûl tue un compagnon, et ben. Oui, il y a un point par d'audience, je t'ai fait. Et l'autre fait que quand tu gagnes un combat, tu peux reprendre un élément de ici. Fort tous les deux, hein, là. Tu dois prendre autant de feu de deux qu'il y avait de trous, en fait. Sinon, souvent, on oublie.
on refile sans oublier combien de tours. Ah, parce que les feux, c'est à la fin du tour. Ouais, la fin du tour qu'ils arrivent. Après l'attaque de Mirin, il faut mettre les feux. Il reste un. Moi, je m'arrête là. Attends, parce que le feu qui est là, qui a dit si on n'a pas assez d'eau, tu prends des tasards. Chacun séparément. Chacun séparément. Moi, j'ai trois trucs. Voilà. Donc, moi, je suis immunisé. Même si je ne m'en occupe pas, okay. Je ne prendrai pas de varan. Ça ne compte pas le feu qu'on va se prendre à la fin du tour. Donc, non, bien. Le feu, ça ne compte pas. Voilà. Donc, moi, j'ai deux. Tout est immunisé. Sauf que tu peux bouger la table. Tu peux juste passer cette table, chef. Oui, bah, si tu veux, je vais jouer. Ah bah ouais, c'est comme tu peux le refaire revenir. Puis meurt à la Moria, c'est bien. Ouais, c'est pas forcément les mieux. Tu prends, tu fais le tour. Je vais pas mort par un adulte, mais. Et tu prends sans toucher la table, d'accord ? T'as beau, ouais. Tu peux avancer du cas, c'est pas ouf. Ouais, on va faire le même. En fait. Tout ça parce que tu veux tuer un petit Kurukai qui t'a rien fait. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un événement qui fait que il peut venir au combat s'il n'y a pas de problème. C'est string. C'est dégâts plus 1 avec. Celui-là ? Avec Radagast, bien sûr. Ouais, fait quoi ton épée ? En fait les possessions font. Pour j'ai pas trouvé les vidéos, mais je pense que. Si elle fait chose, tu fais un truc, c'est au moment où tu poses. On essaye comme ça. Sauf les situations de. Chez toi. C'est le seul truc. Hein ? Mais tu fais pas tes pouvoirs de mana ? Mes pouvoirs de mana ? Pour faire. Non, ils sont pas utiles. Okay. Enfin, ça rajoute pour aider ma shadow. Et ça, c'est un événement de combat et j'en ai pas. D'accord. Ah, vas-y pour le combat alors. On va faire 12 à 7 ici. Pas d'action. Je t'ai une action. Ah, c'est un mode... ah oui, on. Ah bon. Bah, je vais faire ça. Je crois. Bah oui. Action. Plus 7 ou 0. Tu fais quelque chose ? Non. Alors, essayez de pas mourir. Ouais. Va voir Gabriel, elle va pas travailler, non mais elle va pas travailler pas ça, elle ira très manger, je sais pas si c'est un problème. Voilà, est-ce que t'es un d'autres ouais, moi je passe. Bon bah lui là 10 à 8. Bah je prends. Ouais. Oh attends. Non j'ai pas d'action. Bon ici 14 à 7. Non je vais tester. Vas-y. Pour 1. Donc pour 2. Et si je gagne c'est un fardeau. Ouais bah ça va faire un fardeau. Ça deux fardeaux. Il va que ça fait même deux fardeaux. Deux fardeaux donc deux points de vie. Voilà. Direct. Ça, c'est mais bon. Il revient quand même. Ah d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis là-dessus. Ouais, ça, c'est mais de toute manière, en plus, il change de couleur. Je me fais un peu défoncer de toute manière. Juste un peu, ils vont venir là. Et puis, il va y avoir un autre mort. Oh là là. T'es sûr ? Bah, le mec a 14. Ça, je peux essayer 14 et 12. Bah, ouais. Là, c'est le premier joueur. Et toi, t'as ton boost, tu l'as repris, tu l'as joué. Oui. Oh, on va essayer. Je l'ai joué là. Ouais, on va essayer. Tu l'as repris comment en fait ? C'est quand lui gagne un combat. Ça dépend de l'ordre. Oui. 14 à 10. Et ben. Ouais, c'est bien. Il y a plus que moi. Ah oui. Sinon, c'est trop. Fail et 12 à 7. Merci. Après l'autre aussi peut être intéressant quand t'es enfin. Mais en fait, voilà.
Non, mais c'était sympa. J'ai bien rigolé. Non, mais évidemment, j'avais le truc, l'autre il me joue un euro que. Ouais, moi je peux. C'est ah, bah, complètement gratuit quoi. Je ne savais pas, je suis désolé. C'est cool. Mais j'ai que des cartes qui servent à rien dans la main, c'est un peu frustrant quoi. D'accord, tout ça parce que t'as joué à un million. Merci. Donc le pouvoir de Saruman est à revoir. Bon, hop, moi j'ai arrêté. Bah, je sais pas si t'as l'impression que ouais, c'était bien. Non, c'était pas mal. C'était pas non, mal. Ouais, non, mais après, à revoir. Non, mais c'est. Voilà, très bien. Je prends note. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un peu roleplay, oui, s'il n'y a pas de carte Saruman et tout. Mais après, pour l'équilibre, bon. Je peux très bien commencer par acheter un arbre. Il y en a un qui fait des soleils. 3, 4. Ce que j'aurais dû faire au prochain jour d'avant, d'ailleurs. Pour où tu avais des malins pour acheter 8. Voilà, j'avais oublié. J'aurais pu acheter un truc. Cher, probablement par rapport aux autres, mais les pouvoirs c'est sympa. C'est costaud. Mais je sais pas, pour l'instant, dans le ressenti, c'était pas forcément ceux qui étaient les plus forts. Mais je vais safe. Oui, oui. Ok, va te conduire. J'ai 3 arbres. Ok, donc 3 arbres. Combien de 12 okay. Bah, ça va être le boulot marat, hein. Alors, quel moi, je crois que ça va être encore le même. Là, je suis diallo. Ouais, je peux. Et puis, moins un des événements. Un, deux, c'est jamais. Oui, bon, ben voilà, c'est ça. 18 et 4. Il coûte 2 et Arachne, elle coûte 8, mais elle est F2. Et comme j'ai fini, tu peux en jouer. Voilà. Il a mis là, tu fais ça. Ouais, ouais. C'est que du chiffre pair. Là, t'as joué pour 1. Ah, je jouais pour 1. Ben non, il y avait 12. J'ai joué pour 1, donc il y avait 12. Oui, donc il y avait 12, et là, et moi, 6 et 2. Je joue pour 8. Ah, oui, pour 8, oui, donc il reste 4. Je joue ça, ça dit que quand la compagnie se déplace, je peux piocher une carte. Ouais. Et pour 4. Pour 4, je vais mettre le. Chaque fois que je gagne un combat, je peux ajouter un point fardé. C'est facile. Hein. Voilà, et puis je sais pas quand si. Quentin pour 0, t'as déjà. Et la quatrième condition ouais, peut-être ouais. Non, c'est bon. Ok. C'est tous les events. Oui. Ok. Voilà, tout. Et le match coûte 3. Donc, okay, je vais rajouter du feu. Ouais, voilà. C'est pas ça. Ok. C'est ça. Salut. Je fais des actions. Je suis pas de alors, désigner Gouloum pour gagner un point de victoire. Tout le monde peut défausser une carte des peuples libres pour annuler. Il faut que tout le monde défausse une carte. Alors, je vous redonne le test. Pour annuler cet événement, chaque autre joueur doit défausser une carte des peuples libres. Bon, c'était le nouveau test. Ça va l'écrire en fait. Ouais, c'est. Moi aussi. Toi non. Tous sur lui. Je gagne un point, oui. Baston. Aux autres en manœuvre. Donc là, il était gagné un point. Ouais. D'accord. Quoi manœuvre. Manœuvre. Action. Manœuvre, non, je ne fais pas manœuvre. Okay. Il y a 0. Hein. Ah, moi, j'en ai une autre. Ah, oui, bah oui. Excuse-moi. Bah, je les vois. Alors, t'as rien. La même chose. Bon, j'en prends. Bah, ouais. Moi, je veux bien. Mais... bah oui, je donne. Ah, ouais. Allez, j'en prends pas. Et voilà. C'est facile, ça. On a encore Bah non, mais j'en ai deux. Non, c'est pas mal déjà. T'as d'autres actions de malade. Non. Ok. Alors, voyons. Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que j'ai?
La question est, est-ce que dans cette partie, les nains vont se faire ruiner en fait leur possession ? C'est un peu la question. Ouais. Ouais. Bon, voilà, là pour l'instant, il y a peut-être des choses de possession. Un peu plus souvent lui. Il reste pour l'instant bien stuffé, quoi. Donc pour ceux qui ne voient pas, 10, 9, 9 et 6. Normal, c'est caché, Léna. D'accord. Mais au-delà de la force, il a une capa. Il est dégâts plus 1, défendeur plus 1. Ok, et l'autre d'à côté ? Dégâts plus 2. Et en compagnie, c'est lui qui va chercher les haches. Enfin, ils n'ont pas de. Il n'y a pas de capacité. Il n'y a pas que des événements. C'est beaucoup plus simple parce que. Oui, bien sûr. On va commencer par. Le Nazgûl, tiens. 9-9 ah, quoi peu, non. Attends, on va commencer par celui-là. Dain, je suis à 10, t'es à 8. Moi, je passe. Je passe. Tu veux le tenter, Quentin ? 10 et 8 ouais. Alors. Ouais, je vais faire ça. Non. Oui. Je le rends fierce et je le rends fierce. Il est déjà fierce. Il est déjà fierce, mais. Ouais, c'est pas grave. Okay. Je rends fierce Gollum aussi. Ça marche. C'est les trois mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres événements de combat ou ça reste le problème ? Je passe. Okay. Donc je gagne. 13. Bah tu gagnes ? Ah oui. Bah oui. Je suis à 10, t'es à 8. Enfin, ah mais non, je ne jouais pas alors, pardon, excuse-moi, je crois qu'il gagnait. Ah bah oui, on demandait aussi. Je veux bien que le rende fierce. Ah, je le tape. Pardon, excusez-moi. Bon, non, mais de toute façon, il est déjà fierce. Oui. Donc c'était coup, juste pour rendre fierce Gollum. Ouais, okay. Il se prend quelques blessures. Ok. Mais il y a déjà plus 2. Il y a déjà plus 3. Ah oui, c'est vrai. Wow. Non, allez, non, ça défonce. Bon, ensuite, ça arrive à passer. Gollum, 7 à 6. Tu vois. Là, est-ce que tu joues quelque chose, Quentin ? Bah oui, je vais jouer. Sur quel combat ? Il est sur Gollum, toi ? Ouais, ouais, sur le Gollum. Ah oui, ouais, ouais, donc je la joue là. Donc là, tu rends fier, c'est ça ? Je le rends fier. Okay. Action. Là, c'est des actions en plus. Et après, c'est sûr que c'est quand oui. Il y a plus de joueurs, c'est fort. Ensuite, Nazgûl. Je suis à 9. T'es à 9. Mmh. Genre plus 2. Plus 2, et s'il gagne le combat, il défausse une situation. Ça m'a l'air d'être plus fort. Tonio, l'action. Plus 2. Et voilà, j'ai pris mon arbre. Oui, bah, t'as toujours ça, oui. Oui, allez. Du coup, voilà. Plus 3 pour le coup. Ok. Plus 3 et par contre, si tu gagnes le combat, ça blesse Rodon. Oui. Voilà. Plus 2. Toi aussi, tu joues ? Oui. Ah bon. Et s'il gagne le combat, il rajoute un point fardeau. Un fardeau. Donc, ça rajouterait 2 points fardeau s'il gagne. Donc, 2 points de victoire. Ouais, alors, attends, parce que là, on va faire le total. Oui. Ça fait 14. 14 à 11. On peut faire plus 4. Grâce au pouvoir de Frodon. Quoi. Donc c'est 14 en place. J'en joue encore un. 14 à 16. Oh là, on sent le. 14 à 16. Genre, je m'en fais un plus 4. Encore un plus 4. Donc c'est pas c'est 19 à 16. 18 à 16. Non, je passe. Je passe. 10. Donc, t'es à 19. Ah, c'est pas bah, du coup, on avait dû se tromper sur. Non, moi, j'ai pas. J'ai pas. Voilà. J'ai rien. Bon, bah. C'est bon je crois qu'il est mort, Nazgûl. Oui. Ah bon, ouais, c'est on a fait ce qu'on a pu là. Ouais. Là, il y aurait eu, sinon, il y avait 3 points fardeau. Et, C'est bon combat. Et on tourne ça. Ouais. Il est 2 francs, j'en ai. Toc. Yes. Hop, ici 9 à 8. Bah, je suis tout mort. Je suis tout mort. Bien. Et ici 10 à 7. Je vais te virer ta hache. Ok, ça marche. Bah, 8 à 7. Bah, c'est bon. J'en prends.
Je t'en prends un en fait, dans mon dos. Ouais. Bon, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est même hyper bien passé. Ok. Et il n'y a plus un de tout. Je vais faire vraiment, oui. Mais bon, après, c'est un peu chaud vu. Non, là. Refaites votre. Alors. Mais ce qui est bien avec les nains, c'est que quand ils gagnent, ils aspirent. C'est pas la et du coup, je peux vivre une situation. J'avais joué l'event qui permettait de. Ah oui, tout à fait. Donc, ouais. J'ai un des ambitions. Ah ouais, ok. Non, c'est assez pénible quand même. Ah oui. Ah, faut avouer. Ah, même si t'es vraiment pas en face de moi, c'est quand même pénible. D'accord. Ouais, tu peux les gagner vite. C'est vraiment un truc de filou. Ouais, bon, j'ai un petit truc là. Allez, je m'arrête. Tu peux en racheter le même, hein? Oui, moi. Ça fait que moi je l'aurais pas. Donc il y a les mêmes pour Boromir et Farm. Mais ça aussi. Ouais, c'est bon. On regarde des trucs, mais. Vous me couper. Non, mais j'ai 5. C'est bon, il n'y a pas des genres de magique. Hein. Ah. Eh ben, c'est bien dommage parce que je suis en train de tricher. Je sais, c'est pas pour toi. Alors, c'est bon, il y a des défenseurs plus 1 cette fois. Il y a défenseurs plus 2, même parce que de base, il l'a bien. D'accord. Quoi d'autre Ouais, je joue sur Farm. Dieu pour ça. Et deux. J'avance. Okay. Et 4. Ouais. Et 7. Ça donne le site du que. C'est tout le monde qui a joué carte. Oui. Les joueurs de la compagnie se déplace en Indien chez les joueurs de l'ombre plus chez de l'ombre. C'est pas mal. Okay. Et c'est. Alors, on pioche une carte en victoire. Le point de victoire, on en est où? 4 là-bas, 8 là, 7 là et 7 là. Pouf, ce train est assez minéraux. Bah ouais. Personne ne se détache. Voilà. Deux feux, moi j'ai 2, 3, 4. Et aussi, sur le 5. Là, il y a un orc là, tu viens de le jouer. Yes. D'accord. T'as pioché? J'ai pioché. T'as rajouté deux? Non, ça va. Ils sont en réserve. Okay. Aussi trop dur que tu demandes. Pour le jeu, il faut défoncer 3 d'accord. Ok, du coup, 7. Ouais, c'est bien. C'est cher, mais en fait, c'est comme s'ils s'assemblaient tous pour former. Il y a encore tout ça là? Encore tout ça? Non. Comment ça se fait? Grâce à l'aide. Parce qu'il y a de l'aide. Et 8. Il est acharné dès la plus 1, donc s'il gagne les deux. Il nous avait laissé un peu de pouce, hein, Il avait joué deux de conditions à 4 à 2. Bon, moi je joue pour premier skipping. Je morfe un peu là. Ok. Sérieux? Bon, c'est pas ouf. Bon, bah écoute, t'as 8 pour poser des excuses. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire en plus et je vais mettre 4 Pantea. C'est pas mal, j'ai fini par. Tu vas choper. Déjà, ça va être mieux. Ça va être mieux. C'est clair. Oublie pas que après c'est toi le premier joueur. Oui. Donc faut que j'ai de la carte. Je vais rajouter 2 et encore 2. Pas de stress. Non, voilà. Ça gère, mais mec, ils sont défendeurs plus X, pas de problème. Bon, sachant qu'ils sont fiers, ça. Pour 1, je vais chercher une carte Nazgul. Un Nazgul. Ouais, un Nazgul. Sinon, c'est un peu fort.
D'accord. Pour le jeu de son équilibre, moi qui ai juste des capillaires acharnés, même la défaussée de vue de votre main pour défausser une possession. C'est possible. Toi, tu préfères jouer lui que du coup le Witch King. Oui. Je préfère deux bonhommes. Ok, d'accord. Il est bien et puis il me permet de récupérer des événements. Mmh. Non mais attends, oui, c'est Quentin. Quentin il peut prendre moi il deux, ah, okay, d'accord. Du coup il y a un dead. Et puis il a une action en manœuvre en tout ce qui est intéressant. Ouais. On les met en dessous la condition. Bah c'était pour que tout le monde la voit mais. Non mais tout le monde en a en fait. De support. Quentin n'a pas eu de. Ils sont pas sortis encore. Vas-y Quentin, t'as de la manœuvre. Si tu veux. Ah, oui, mais tu dis qui d'abord qui dois... Ah, je dois. Vous êtes tous égalités là, c'est ça ouais, non, non, il y en a lui plus. Ouais, ça doit. Eh, lui, c'est dégueulasse. Il dérange pas, mais faut se le faire, il a 8. Ouais. Tu vas être à 8 dans 2 ans. Ouais, c'est 2 ans qui gagne. Tiens, par contre, ça rajoute 1. Pourquoi ça rajoute 1 Mais pourquoi tu donnes à Guy ouais, parce que. Voilà. Si, mais sympathique. Alors que. Oui, non, t'as à vous, en fait, t'as pas de mana. Bah, j'ai fait mon action de mana. Tenu, t'as de la mana. Cherche le truc, ok. Non. Et si, oui, j'en ai, ouais. Non, je passe. Non. Je vais jouer ce truc là. Ouais. Ça dit que j'ajoute un point fardeau et qu'autrement vous pouvez défausser 3 cartes des peuples libres pour annuler cet effet. Ouais, une carte chacun. Non, chacun un joueur, 3 cartes des peuples libres. Il y a soit un point fardeau, soit 3 cartes des peuples libres pour un joueur. Est-ce que quelqu'un paye? C'est moi qui vais les payer les 3 cartes de peuple libre. Sans doute, ouais, n'importe qui, ça peut être quelqu'un d'autre parce que il veut peut-être pas. Mais. Tony, tu payes Ah, c'est cher. Avant c'était à 2, j'ai passé à 3 parce que 2 c'était trop facile. Mais... Ouais. Oui, 3 c'est bien. Faudra faire 2,5. Mais. Il a fini déjà la carte. Ouais, ouais. Ouais, non, mais bon, je te dis. Non. Je te donne un point de victoire. Non, non, c'est bon. C'est un point fardeux, c'est tout. Donc, un point de victoire pour Bibi. Est-ce que tu as encore une manœuvre, Quentin? Bien sûr. Toujours. J'ajoute un pour soigner un homme. C'est avec qui ça? C'est Faramir. Ah, oui. Aragorn. Et après, je pense que c'est bien de voir toi, Laurent, parce que. Tonio non plus? Bah, je vais utiliser la manœuvre de lui, je vais défausser un Nazgûl pour pouvoir défausser une possession. Qu'est-ce qu'il y a comme possession? J'ai pas de possession. Bah, ça s'en est pas ça. Non, c'est une situation. Il y a Faramir. Ah non, ah non, il y en a pas. C'est les deux, c'est deux conditions. Ah, non. Ah mais, ouais, bah, j'étais persuadé. Sauf si tu l'as ta main après, si tu veux. Tu peux le faire. Je peux le faire dans le vide? Oui. Ah, oui. Ah, bah, alors je le fais. Voilà, et après je crois que c'est fini. Donc, c'est... Quand on fait un autre si, ouais. Ah oui, non, c'est pas fini. Alors, ouais, bah, je vais rajouter un pour sniper lui là. Vas-y. Okay. Est-ce que tu dois dire quelque chose en manœuvre? Toujours pas. Moi, oui. Utiliser les 3. C'est ouais, chaque joueur de l'ombre gagne 1 PV. Ah, non, c'est bien. Et le joueur de peuple libre peut ajouter un point fardeau pour annuler cet événement. En gros, tu donnes quand même un point. Alors, il gagne un point de victoire, forcément, mais est-ce que tu te rapproches de la corruption ou pas? Ou t'en donnes gros, deux points de victoire. Grosso modo, tu peux mettre un point burden pour que nous deux on gagne pas de points de victoire. Ouais, c'est ça. Et ils sont quand même déjà 8. C'est toi qui as un jeu. Ah, j'adore ces discussions. C'est multi. C'est de prendre la tête. Ouais. Je prends un burden. T'es sûr hein? Un point de chaud. Victoire. C'est 6 la distance, c'est pas 10. Ouais, ça va. Okay. Oh. Tu veux vraiment pas que j'ai deux points de victoire? Tout tourne pas autour de toi. Voilà, bon, je manœuvre. Je crois que là c'est bon. Hein. Non, c'est encore des trucs à faire en manœuvre. Je sais pas, peut-être. Comme peut-être. Non, c'est bon. Ok. Là, tu peux faire quand même. Bah c'est marrant là quand même parce que le joueur qui a le plus joué c'est le dernier joueur de l'ombre. Bah c'est bien, du coup. Ça veut dire que voilà, t'es pas non plus laissé complètement la traîne même si t'es déjà. Il y a 0 en prêt. Il y a 0. Et moi ça doit pareil. Que toi qui as joué 1, t'as couru en lui, donc normalement. Dégâts plus 1, dégâts plus 1, je suis à la charge des dégâts plus 1, mais malheureusement je peux pas en sniper 1 comme ça. Ah oui, mais t'as soigné aussi comment? T'as soigné à l'argent? Oui. Mmh, ouais.
Et alors ? Oui, bah. Parce que le Witch King là, avec ses 1 dégât plus 1, il aurait été violent. Aussi, ouais, c'est vrai. Bon, après, ça en fait 2. Et son effet ? C'est le cas. Ah oui, ils sont tous les deux à 10. Il est relou, hein, ton troll à 15 là. Écoute, je suis ton joueur de l'ombre, faut pas que je te fasse des cadeaux non plus. Ouais. Tous les boss à 8 là ont au moins des dégâts plus 5, c'est ça? Non, Arak n'est là pas. Si elle a des. Ah, si, si. Non, tous, c'est genre, il l'a. Si elle a des dégâts plus 5. Si, si, elle n'était pas avant, mais maintenant j'ai mis des dégâts. Non, on l'a jamais fait. Ah putain, mais en fait, je pensais que les combats. Je crois pas qu'on l'ait déjà fait. Ah bon? Non, mais j'ai tellement pas habitué à la connaître des dégâts plus 1 que je trouve qu'on l'a jamais fait. Bah, c'est comme le Witch King, il n'y a pas de version aussi. Si, si, si. D'habitude. Non, il y a des versions dégâts plus 1. Ah non, dans le temps, je sais plus. Je sais pas. Souvent Fierce, mais... Toujours Fierce, voilà, très gros, gros, mais... Fierce, mais... Il y a plus un. Ah si, il y a peut-être celui de la 7ème, ou de la 12, je sais plus. Bah c'est celui qui est pas Fierce, je crois. Attends, je vais vérifier, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, putain, j'ai hyper mal, en fait, là. Enfin, c'est terrible, parce que j'en... T'as donné du coup, là. Non, il a Toil. Il a Toil, il a pas de dégâts. Ou alors je pense un peu. Non mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas sniper une bête quoi. Donc elles vont revenir et le Fierce va me faire trop trop mal. Du coup, je m'en suis pas occupé, je me dis bah soit ils s'en occupent, j'ai perdu tout le monde. Ah, même soit ils veulent me pourrir. Que... Ah bah non, pas trop mal. Le jeu a écrit, ça n'est jamais arrivé pourtant. Que de quoi qu'il y ait autant de monde dans le site 3. Ah oui, que tu te retrouves avec Frodo tout seul. Ah, ah enfin, ça fait beaucoup de choses. Après, tu auras des défenseurs présents qui mourront ou quoi. Alors. Oh, pardon. C'est pas grave. Défenseur plus 1, défenseur plus 1. Ah, là tu peux pas t'arrêter, 3 soleils. Après, sur le 3, il y en a 2. Après, j'ai une chance sur le, je vais m'arrêter. Enfin, raison qu'ils sont défenseurs plus 1 en fait. Excusez-moi, hein, j'ai piqué. Hein. Donc, à l'année, je fais comme ça. Ça tient. Bon, après, je m'en fous, j'ai pas mis 2 ou 3. Ou alors, je fais retour. Plus intelligent. Donc celui qui doit gagner son combat à l'aller, c'est lui. Bonjour Marie. C'est que des chiffres qui me font chier. Je suis à 10, c'est 10. Lui, il est défenseur plus 2. Hein. Oui, je sais bien, mais c'est pour le retour. Là, j'essaie juste de gagner des combats, c'est juste ça. Allez, tu es dans le guidé. Bah ouais, je vais faire comme ça. Hein. Bah, tu commences par lequel? Alors, attends, faut pas que je le perde, le bonus là. Je vais commencer par lui. Ok. Je suis à 10, t'es à 12. Ouais, c'est bien ça. Je prends un. Ok, et je prends un événement. Ça veut dire quoi, non? Ok. Ça, c'est la joie de faire la même action. Ah, là, ouais. Sauf avec les actions. Ou Faramir, mais je pense. Faramir. Je suis à 10. Je lui donne plus 5. Ça fait 15 à 15. Ouais. Je lui donne plus 3. Ah, attends, là, attends, t'es à combien du coup? 18. Je suis à 18. 18? Et lui à 15? Mmh. Je sais que c'était bien ça. Ah, ouais. Guillaume, je peux. Non, en fait, ces actions multiples là, c'est une action différente. Ah oui. Sauf avec des actions bonus. Là, il y a un truc à jouer. Et si t'as ça, oui, je joue. Plus 3. Plus 5. Ouais, 23. Ouais.
Guy, je passe. Des dégâts plus quelque chose ou pas ? Dégâts plus un. Dégâts plus un. Et par contre, tu retires un burden. Un burden. Tu vois ? Je prends un. Attends, il y a du, du combat. Il y a du truc, il y a du machin. Non. Hit back. Tout le monde ensemble. Bah, tous sur bon. Si des gens ont des trucs à jouer. Vous avez vous le dit, défenseur plus de. Ah ouais. Moi j'ai un événement. Tous sur Boromir. Là c'est moins l'or là. Ah si, remarque, Itilienne, si, bah si. Si, tout à fait là encore. Tiens. Allez. Tout est équilibré pour. Donc là, si je prends un burden, c'est ça ? Ça va. Donc prends, tu gagnes un point de victoire. Et j'ai gagné. T'as déjà 11. Je vais reprendre un événement. 11, 7, 8 et 7. C'est Laurent qui en avance un petit peu sur les points de victoire. Combien ? 11. 11. Vous avez 7 et 8. Moi j'ai 9. Ah t'as 9 ? Ah oui, j'avais pas compté. J'ai 9. Ah, ouais. Ok, bah mon revient mort. C'est notre main. Sympathique. Boromir a souffert. Je refais de main. Vas-y, reprenez vos 6. Ah oui, par contre, t'as pas loulou, moi, c'est vrai. Là, par contre, ça va pas. Ah oui, tout à fait, merci. Bon, laissez le bloquer tout à l'heure. Non, mais il aime bien faire l'e-sport. Ah, d'accord. C'est bon pour vous ? C'est les hommes. Ouais, je vais mettre juste Adafon. Qui donne plus de. Plus de, c'est tout. Et pas ça, non. Les gars, plus ça. Et t'avances ? Et j'avance, c'est tout. Donc, chaque joueur de l'ombre. Ouais. En fait, je vais peut-être le virer, peut-être, mais j'avais pas d'idée pour autre chose. Non, c'est bien, tu vas le virer. Le long de carte, c'est très bien. Je prends la compagnie des cartes, ça joue en deux. Peux piocher deux cartes. Non, puis ça pousse quand même à avoir plus de choix de jeu. Je vais reprendre Gollum en main avec ça. Hein. C'est la case. Et piocher deux cartes. Yep. Et donc. Il y a tout ça ? Je veux dire, il y a que ça. Mais c'est énorme. Je joue mon Uruk. 2, 4, 6. Il fait quoi lui ? Pardon. Chaque fois qu'un compagnon est tué dans un combat impliquant un Urukai, il gagne 1 PV. Et je joue Grim. Grim. Pour 2. En manœuvre, je peux retirer 2 pour prendre en main jusqu'à 2 événements Uruk de ma pioche. Il me faut 2. Pas de chance. C'est tout. Ok. Pour 3, ça fera aide 2. voilà. T'as combien de points de victoire toi là ? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh waouh ! Ouais. Aide 2. Mais 2 égale Gloom. Yes. C'est bon ? Yes. Tac. Là, vous mettez 0. T'as pu jouer en premier déjà. Mais tes événements coûtent moins 3, tout en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je vais mettre 1. Je vais utiliser Galadriel. Ouais. T'as pris les événements. Ah non, c'est après. C'est en manœuvre. C'est à toi en manœuvre, Quentin. Ouais, bah du coup. Oui, mais je peux pas. Je ne peux pas. Alors, je vais jouer ça.
Ouais. Prenez en main jusqu'à 12 événements de combat de votre pile de défausse. C'est bon ça. C'est bon pour bibi. Non, mais c'était malade à cause de ça. C'est celle qui rentre. Non, je vois, franchement, je dors pas beaucoup parce que je me réveille tout à cause de ça. Du coup, Guy, il y a un peu en manœuvre. Non, c'est bon. Moi, j'en ai une. Non, non. Deux. T'as combien toi? 9. Et Quentin là-bas, 7. Ah, tu auras autant de feu que tu parles. Je le garde, ça, je peux jamais le garder. Non, je ne peux jamais le garder. Hop, donc pour 1, je vais voler un PV à quelqu'un. C'est dommage que tu puisses pas le voler. Ah oui, mais il faut que je garde, il faut que je garde 2 tours, vous êtes gentil. Mais... Non, j'ai dit, c'est dommage, j'ai pas dit. C'est pas... C'est forcément un mec de Londres. Ça plus que Quentin, alors c'est une logique implacable. Il fait pas partie de moi. Ouais. Alors du coup, c'est n'importe quel joueur peut défausser 4 cartes de sa main pour annuler ses joues. Oui. Est-ce que le genre peut défausser 4 cartes pour moi? Je sais pas comment. Vraiment. Ouais. Est-ce que quelqu'un défausserait 4 cartes pour aider C'est 4 cartes qui fait. Pour empêcher le joueur qui a le moins de points de victoire d'avoir fait ça. Je suis égalité avec Quentin. Oui, c'est vrai. Non, plus pour longtemps. Ouais, ça, c'est un but de la carte. Hein. Je te file le jeu. Je le remplace par un vrai. Ça me faisait bien marrer ce truc de voler des points de victoire. Oui, justement, au contraire, il faut le faire. On est à égalité. Mais il n'y a pas cette carte comme ça, donc c'est pour ça, si vous avez 10 idées de trucs. Eh ben justement, s'il n'y a que là, peut-être que le fait que gagner un combat puisse faire de voler à la personne qui a perdu le combat. Non, parce qu'il n'est pas actif en tant que joueur de l'ombre. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que là, sinon vous avez des petits intercelles qui sont... Tu vois, ça, c'est bizarre. Coup, je manœuvre. Non, faut que tu sors un autre joueur de Londres. Donc ça va jouer? Ouais. Je fais ça. Je fais 2 pour prendre en main jusqu'à 2 événements de ma petite de pioche. 2 événements de combat, 2 combats. De combat. 2 événements. Non, je sais pas, non, c'est 2 événements. 2 événements, ouais, d'accord. Tu peux prendre celui qui prend de la défausse. Non. Tu peux avoir les boosts 4 boosts par main. T'as ça qui. Oui. Après, avoir des boosts de combat. T'as ça. Ça, c'est rigolo. Ah, bah oui, bah carrément. De cost, là, c'est ouais, bien par contre, tu le montres aux autres joueurs. Hein. Ah, oui. Pardon. Parce que. Donner des dégâts plus 1 à un seed durant ce combat. Donner plus 3 en force durant ce combat. Tu les sens, les oncles? Vous avez pas joué, vous, non? Personne n'a joué entre ces deux actions? Mais non, mais c'est la même action. Ah, c'est la même. Ça, c'est le pouvoir de Grima qui va chercher. Ah oui, ah oui, d'accord, c'est ce que tu prenais. D'accord, je croyais que tu les ai joués. Okay. À toi, Mana, Ruggy. Bon, je passe. Moi, j'ai encore un truc. Désigner Gollum pour gagner un PV. il faut que tout le monde défausse une carte de pop possible pour annuler. Alors, j'achète un arbre. Parce qu'on scotise. Non. On peut. Non, mais Laurent n'a pas l'air chaud. Non. Donc, c'est pas chaud, c'est pas la peine de chercher. Et puis, je vais là, ça permet d'acheter à plus de 3. Votre manœuvre? Non. Je passe. Tu peux le refaire. Hein. Je peux le refaire? Ah non, c'est limité une fois par feu. Ah oui, oui, oui. Avec tous ces éléments, coupe moins 3, il y en a 600 mains. J'adore Grima. Non, mais c'est bon, c'est bon. Okay. C'est bon, plein tout bah, tiens, allez-y, allez. Tu encore quelque chose? Non, parce non. Que justement, okay. Des fois les événements avaient du mal à sortir, ouais, donc je ne pas. Voilà, donc je me suis dit, allez. C'est une bouche de Sauron version exemplaire. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je mette Grima. Par contre, je n'ai pas mis Saruman en étendard, mais. Ouais, après, les gens, en termes de nécessité, ça devient compliqué. Et là, il y a le truc que l'on se met à même. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, est-ce que je ne donne pas un autre nom? Je crois qu'il s'appelle Charfou, en fait, aussi. Oui, oui. Ouais. Là, c'est bizarre de l'appeler Charfou en chant. Du coup, j'ai mis deux là. Et alors, je me suis dit à un moment donné, est-ce que je vire pas d'ici? Mais il est cool. En fait, il est cool quand même ici. Bon, son événement là, il faut que je change. Je suis d'accord. Je vais m'affecter comme ça. Le pouvoir de okay. C'est ça, on me trouve. Je suis affecté. Je vais commencer ici. C'est vrai que ici. Du coup, il y a moins de références. C'est 34. On part souvent des cartes en anglais en fait. Oui. Mais le pouvoir de Saruman. Quentin. Ah ouais, je sais. Ouais, je suis passé à 7. À la tarte, le bleu, Palando, le bleu. Ah oui, c'est les mages bleus, les deux. Ouais. Ils sont bleus, du coup. Et
Et le bras, le nid et le... Non, moi, qu'est-ce qui se passe, là? 7 à 7. 7 à 7. 7 à 7. Ok, je passe. Je prends un. Ok, bah, tu prends un PV. Il y a un PV. Pourquoi? Mais il a gagné un peu. Il a joué un peu. Ah, il a joué un peu quand même. Ah oui. Ah bah il est là. C'est l'événement qui fait que gagne un PV. Mais non. Bah j'ai donné plus 3 en force hein. C'est bon. Ah oui non. Comme j'ai été au bas. Non j'étais pas. J'ai joué en event, c'est bon. Ici Arwen 9 contre 7. J'ai un spécial moi, mais c'est à content d'avoir. Là tu gagnes c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe si ça gagne? Bah si il gagne tu gagnes un point de victoire. Bah non. Non, c'est pas si tu joues un boost. Si tu joues un boost. Ah, si tu joues un boost, oui. Si tu joues un événement, hein, quel que soit l'événement, tu ça. Non, je passe. Il n'y a pas de dégâts plus 1. Je prends une place. 2. 2. 2, il y a des dégâts. Bon, et là. Ouais. Et là, on voit ce qui se passe. Bah ouais, ouais, ouais. 8, 33. Ça vient d'où les photos de Palando et Alatar? C'est Gladiator. C'est Je vais rendre jusqu'à deux c'est d'acharné. Bon, j'ai cherché pas mal, hein. J'ai cherché pas mal à avoir des trucs du bête vieil homme ou un truc. Ouais, c'est ça. Yeah. En fait, ils sont un peu bleus, ils ont un habit un peu bleu. J'ai trouvé, ça. Quelqu'un d'autre joue un événement? Il a rendu acharné Gollum. Ah, Gollum acharné, c'est ça qu'on veut voir. T'as rendu. Attends, par contre, je vais lire un. Je lis rien. Ah, oui, on les laisse, moi, je vais. Ouais, juste pour que tu me vois. Pour ça. Du coup, je vais jouer préparer. Ouais. Qu'est-ce que c'est au-dessus? Gagner plus 6. Je passe à 14. Donc, 14. Contre 13. C'est un contre 13. Ouais, là, faut sortir les doigts. Chant. Boost. À combien? Je suis à 16. Non, non, laisse-le, laisse-le. Mais il les a joués. Là, c'est le troisième forme qui nous joue. Là. C'est... Ouais, mais il va les chercher. Ouais, tu peux les chercher. Ah bon, il va les chercher. Frodon, oui. Il va en chercher un à chaque fois. Ah ouais. Personne? Non, c'est ça. Vas-y. Donc, t'as combien au total? Je suis à 16. 16? Je te rejoins. C'est trop fort. 16 à 20. 20 à 16, ok. Bah, ok, je prends. C'est ça? Oui. Et tu peux soigner les gueulasses. Ouais. C'est fort, elle fort. Et donc les deux sont fiers, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Je vais faire Arwen. Tu passes? Ouais, ouais. Attends, je vais faire 9. Moi, je passe. Attends, je vais 9. Pour 2. Non. Si. Attends, je veux qu'un compagnon est tué dans un combat plus qu'un euro. Ah oui, tué, d'accord. Pour 2, je vais jouer Bravo. Je passe à 11. T'as rajouté les 2 Oui, les deux. Okay. Et s'il gagne le combat, il défait aux situations. Faites gaffe aux situations. Bah ouais, bah c'est bien. C'est bon. Quelque chose, toi, non. Ou pas? Ok, donc il y a mon volume. Ouais. Merci. Rappelle-moi, promise keeping. Ça ramène. Quand je me déplace, je prends en main. Quand quelqu'un se déplace, on va faire la compagnie se déplace. On s'en ramène les morts, hein. Ok. Donc tu pètes une situation, c'est ça? Ou ouais, ouais, c'est ça. Oui. Ah, chez moi, c'est obligé? Non, non, non. Non, non, non. C'est chez moi. Ok. Non. Il est en train de réfléchir. Ça serait plus logique, mais. Bah, pas forcément, parce qu'il y en a tellement qu'au final. Il faut les descendre petit à petit si tu les descends jamais. Après, ouais. Si, bah voilà. Ok, ça marche. Je fais des fausses, ouais. Et donc, il y a lui. Ouais. 8 à 13. Ouais, c'est ça qu'on veut. Ça change pas grand chose. Hein. Je joue ça. Ouais, mais tu gagnes un point d'histoire. Ouais, j'ai gagné plus 1. Hein. Ouais, encore des gars plus 1, donc des gars plus 2. Hein. Ouais. Mais il a 4 premiers. Bah, ça va, ça gère. Hein. Je donne. Par contre, il coûte 1 maintenant ton niveau. Pour gagner plus 3. Ouais, il faut payer 1. Mais on s'en fiche. Ah oui. Je te donne 2. Ah, c'est plus gratuit. C'est fini la gratuité. J'ai peur de gratuité. Plus 3, je suis à 11. Ouais, ok, je passe. Je passe, personne. Non, pas mieux. Je vais prendre 3. Ok. Bon, voilà, ça gère. Tu peux gagner un point. Ouais. C'est
quoi, espoir 9, 8, 9 et 11. Ok, bon, bah, ça va, c'est bon, je l'arrête. Ok, c'est à moi, alors. Hop, tiens, on va virer les affreux. Frodon, il va ramener Gandalf. Ouais, je vois ça. Mais bon, après, faut pour pas deux, trop... Pour deux, pardon. Non, 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 je voulais la défausser, mais je... Je crois que c'est vrai, c'est pour compagnie... non, si, si, j'ai un bâton de magicien. Mais non, à quel moment Ah oui, t'as un nouveau thème. Et puis on est là. Donc 2. Ah, c'était Loulou, moi. Pardon. 2 et 6 et 5. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est bah, bien pour ouais, piocher des cartes. Ouais, il y a une pièce de cartes. Ouais. Pas mal de cartes. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Et donc, du coup, je... Ouais, bon, bon, après, tout ce que je peux aussi. Oui, oui. Et encore une avec ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je fais mes tris de voir des orques que je peux ouais. ramener. Donc, ah oui, t'as avancé. Pas moi. Donc je peux piocher deux cartes, c'est ça? Ouais. Si tu l'as pas encore fait, tu peux. Super, super. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je prends un orque avec ça. Ah oui. Alors, je vais jouer en premier. Yes. Il y a 11. Moi, je vais jouer... au seuil de ouais. Ouais. Ça. Ça c'était pour commencer 3, 8 c'est moins bien ensuite on a du c'est moins bien je vais donc il est L et mes événements.